Bonsoir à Serment d'Ax. Ce soir, Tronchant Live 105, nous sommes le 5 octobre 2021, la désillusion des pyramides. Un dossier brûlant, plaide ta passe. Qu'avons-nous à dire à nos spectateurs? Eh bien, que la révélation des pyramides est sortie en 2010. Il y a eu beaucoup de succès sur le net pour ce documentaire, et il continue d'être diffusé plusieurs fois par an par RMC Découverte, s'il s'agissait... On peut les féliciter. Ah oui, 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 on peut. Je veux dire, ils sont pas prévenus à chaque fois. Diffusé plusieurs fois par an par RMC Découverte, comme s'il s'agissait d'un travail sérieux. Le documentaire de Patrice Pouillard repose sur les informations fournies par Jacques Grimaud et se termine sur la promesse que toutes les choses dites au long du film s'avéreront utiles pour comprendre un message très important pour le monde. Mais ce message n'est pas donné. La révélation est avortée et 6 autres films destinés à faire taire les critiques et rapporter de l'argent sont annoncés par l'informateur Grimaud. Des campagnes de financement récoltent des dizaines et des dizaines de milliers d'euros pour permettre de filmer la suite. Mais la suite ne vient pas et l'argent disparaît. Les disputes s'enflamment entre Jacques Grimaud, Patrice Pouillard, les producteurs, les donateurs. Les personnes au cœur du projet dénoncent une imposture. Grimaud n'a en fait plus rien à dire. Il a épuisé son stock de coïncidences, de faits surprenants et de jeux de mots. Tout le contenu du film n'était qu'un amoncellement de petites choses, une cueillette de cerises glanée par d'autres que lui, depuis bien longtemps, et mise en image par Patrice Pouillard. Et 10 ans se sont écoulés. Eh oui. Les sceptiques et scepticiens ont fait leur job. Hein. Le blog d'Irna Osmanovic en particulier est un lieu de débunkage de la pseudo-archéologie, donc on vous conseille d'aller le regarder. Nous-mêmes ici, nous avons reçu Jacques Grimaud en février 2016, Tranchant Live 19. Nous avons publié notre propre équateur penché, allez le regarder sous forme de vidéo. Nous avons invité des gens compétents, notamment Dari, le nettoyeur de mythes, il faut articuler en le disant. Oui. Pour parler de pyramides, sciences et pipeaux, Tranchant Live 25, afin de vérifier un peu le contenu des thèses pyramidologiques. En 2017, nous avons reçu Jean-Pierre Adam pour Archéologie, le réel versus la fiction, Tranchant Live 54. Et en janvier dernier, nous avons invité le journaliste Paul Conge de Marianne, qui a enquêté sur l'aspect gourou et dérive sectaire autour du personnage et de ses conférences. Et je vous annonce que mon livre Pyramidologie aux sources de la pseudo-archéologie sortira bientôt aux éditions Bookie Book. Voici la couverture qui est signée par Lucky Jekyll. Je sais bien Lucky Jekyll. C'est très beau. Hein, c'est une pyramide. Et puis il y a un reflet, il y a des soucoupes volantes. Ça veut dire que des fois les gens ils imaginent des choses avec des aliens, etc. Oui, c'est un vrai Minitel. Oui, le cadre est penché. Tu veux vraiment faire le commentaire de tous les objets en qui d'autres sont dans cette termes, nous suivons le dossier de presse. C'est pour ça qu'on y revient aujourd'hui, mon cher Vlad Tapas. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et la réponse de Jacques Grimaud consiste invariablement à proférer des injures, des attaques, à inciter son auditoire à mépriser les critiques par des allusions sexuelles, sexistes, homophobes, antisémites et j'en passe. Jacques Grimaud a déjà perdu des procès pour diffamation. C'est vrai. D'autres sont en cours. C'est vrai aussi. Mais ce soir, nous vous proposons une nouvelle étape dans l'affaire. Dans un instant, nous allons diffuser un film d'une heure qui retrace le parcours personnel de Jacques Grimaud et dévoile les coulisses de la révélation des pyramides. Les péripéties autour du financement et du tournage du deuxième volet qui n'existera probablement jamais. Les magouilles, les embrouilles et les abus. Derrière la façade d'un joli film se jouait la triste comédie de l'emprise mentale d'un personnage que nous avons peut-être trop tendance à prendre pour un clown inoffensif. Et oui. Le plus important est que le film que nous allons regarder ensemble n'est pas un produit habituel de débunkage fait par des sceptiques, irrités par des théories farfelues. C'est très différent cette fois. Les personnes qui ont rassemblé les documents, qui ont enquêté et qui nous livrent ce film édifiant sont des gens qui ont cru Jacques Grimaud, qui ont contribué pour certains dans les campagnes de financement de Grimaud et Pouillard, qui sont des mécontents, qui voulaient voir une suite, qui adhéraient à toute partie de la démonstration de LRDP, et qui, sans doute, ont détesté notre manière à nous de critiquer le film il y a quelques années.
Alors, je vous rappelle qu'il existe une page qui s'appelle Les Mécontents de LRDP sur Facebook, où vous pouvez retrouver un peu tout ça. Ce film sort dans un contexte où Jacques Grimaud est traîné devant un tribunal pour escroquerie aggravée. Je le dis avec suavité, ce mot est tendre dans ma bouche. Et vous pourrez juger vous-même à partir des éléments qui seront présentés, de l'ampleur des malversations et des magouilles qui ont eu lieu et voilà, qui sont au-delà de ce qu'on voit dans le film. Considérable. Après le visionnage. Après le visionnage, nous nous retrouverons ici en présence d'Antoine Daous, journaliste, fondateur de Fact and Furious, et d'Alexis Sédoux, historien. Et membre de l'ALDA, il dira ce que c'est. Très bien, il a raison. Tous les deux sont suivis de très près. Oui, une faute, ça arrive. Les fautes de frappe, ça arrive. Tous les deux ont suivi de très près l'affaire des mécontents, slash déçus, slash déconvertis de LRDP, qui débouche aujourd'hui sur ce film et sur des affaires judiciaires en cours. On se revoit dans 1h02. Un petit avertissement pour vous dire que le son de ce film n'est pas fait par notre équipe. Ce soir, l'émission est... Vous verrez qu'on pourrait croire. Il y a des effets sonores. Baissez un peu le son. Hein. Mais le reste du film est très intéressant. Ce soir, l'émission est réalisée par Corentin. Donc des petits cœurs pour Corentin, qui réalise ici. Et puis, on a Clément, qui est venu me donner un coup de main pour la lumière, etc. Donc, nous sommes tous les quatre ce soir. Et une petite pensée à Lise, qui n'était pas en forme. Mais on l'embrasse très fort. Et puis, on vous dira tout à l'heure le nom des modérateurs qui sont dans le chat et qui vont vous accompagner pendant l'heure qui suit. Et puis, dans une heure, on reçoit... Nos deux invités, j'ai fini. Corentin, à vous les studios. J'étais engagé dans le cursus scolaire. On m'a demandé de faire un exposé sur le métier que j'aurais souhaité faire. À cette époque, comme j'étais bon en maths et en dessin, je voulais faire architecte. Le documentaire que vous allez voir est le résultat d'une longue enquête. Durant 18 mois, nous avons mené avec rigueur des recherches intensives en sources ouvertes et libres d'accès sur Internet. Nous avons recoupé de multiples sources et recueilli de très nombreux témoignages et documents. Si nous avons décidé de mener cette investigation, c'est suite aux nombreux doutes qui commençaient à se faire jour au fur et à mesure des retards excessifs, des excuses grotesques, mais aussi des tombereaux de promesses restant toujours sans suite quant au tournage du film La Révélation des Pyramides 2. Pour respecter l'anonymat de nos témoins, les prénoms ont été changés et les voix empruntées. Bien évidemment, nous nous tenons à disposition de la justice ainsi que nos preuves et dossiers si d'aventure Jacques Grimaud avait le culot de vouloir en découdre par homme de loi interposé. Nous avons été profondément touchés, voire bouleversés par les paroles de ces victimes. Nous ne pouvions plus rester inertes face à ces véritables drames humains initiés par ce gourou. Ils se reconnaîtront, nous les remercions et nous leur dédions cette enquête. Bon visionnage. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Jacques Grimaud, il est l'auteur d'un documentaire fiction à visée pseudo-scientifique intitulé « La révélation des pyramides » sorti en 2010. Le grand public l'a découvert depuis que la chaîne RMC Découverte le diffuse régulièrement à heure de grande écoute. Méprisé depuis longtemps par le milieu des scientifiques, à cause des approximations, contre-vérités et affabulations grotesques, certains d'entre eux ont décidé de ne plus laisser passer ce qui s'apparente à du charlatanisme pur et dur. Ils reprennent de ce fait un flambeau isolé et tenu à bout de bras par M. Jean-Pierre Adam,
qui depuis toujours lutte contre la désinformation fomentée par des conteurs de fables, qu'il en soit ici remercié. Alors, la rencontre avec Jacques Grimaud, il m'a accroché à la sortie en posant quelques questions très banales sur les pyramides. Il m'a dit je suis journaliste, j'aimerais faire un film sur le chantier des pyramides. Et il s'est bien gardé de me dire, évidemment, dans quel esprit il tournait ce film. Là réside l'escroquerie, la malhonnêteté intellectuelle absolument totale. Et il a piégé de la même manière, des collègues, la directrice du département du Louvre, Guillemette Andreu, et puis même ce brave Jean Leclan, qui était à la fin de sa vie. Et alors, il est évident qu'en quelques minutes, Jean Leclan n'allait pas lui raconter l'histoire de l'Égypte. Alors, le principe du film, c'est très simple. Le titre, La révélation des pyramides. Alors, on attend la révélation, parce que le ton du commentaire du film est absolument mélodramatique, on a le souffle coupé, et puis on attend la révélation, puis on arrive à la fin du film, et il n'y a pas eu de révélation. Et ce film, c'est quoi? C'est une accumulation de clichés qui ont déjà été publiés, republiés. Il n'y a rien, absolument rien de nouveau dans ce film. Notre propos ici n'est pas de concocter un nouveau volet afin de contrer les affirmations de l'auteur. Nous n'avons aucunement envie de nous y confronter, tant la virulence des adeptes de Jacques Grimaud ne souffre d'aucune limite. Ceci est la raison de notre anonymat. Chacune et chacun pourra trouver sur Internet de l'inanité des affirmations et pseudo-démonstrations contenues dans ce film. En revanche, nous reviendrons plus en détail sur un échantillonnage emblématique des découvertes revendiquées bec et ongle par Jacques Grimaud, soi-disant transmises par son grand-père qui l'aurait sélectionné. Il se trouve que moi j'ai hérité de mon grand-père, mais ni mon frère aîné, ni mon frère Benjamin, le plus jeune donc, n'ont eu droit à cela. Je ne sais pas pourquoi. En revanche, mon grand-père leur offrait des voyages différents. Ils allaient dans différentes provinces, voyageaient, moi non. Et il m'a dit, quand je lui ai dit, mais papy, pourquoi moi je ne voyage pas avec toi dans ton camion et je ne vais pas en voyage? Il m'a dit, pour toi j'ai d'autres voyages. Et seulement à partir de ce moment-là, il a commencé à m'enseigner. Jacques Grimaud est né le 16 juillet 1954 à Issoudun, en région Centre-Val de Loire, dans le département de l'Indre, ancienne ville de garnison sans charme qui compte cette année-là 13 000 âmes. Ce même jour, la pile atomique suédoise est mise en marche. Cela n'a aucun rapport, encore que, nous verrons plus loin à quel point Jacques Grimaud peut être radioactif. Le père, un Français né à Salta, en Argentine selon ses dires, est absent. Et Jacques prendra le nom de sa mère. Entouré de deux frères, ils migreront plus tard vers Paris. Jacques prétendra par la suite avoir une très grande expérience. Avant de poursuivre notre enquête, nous allons vous montrer ce que Jacques prétend être. Regardez. Parce que j'ai eu des activités militaires que je ne développerai pas et vous devez dire pourquoi. Je suis encore assujetti à ces contrats. Pour ma part, qui ai eu une éducation stratégique considérable, notamment par mes passages dans l'école de la guerre, n'est-ce pas? L'école de guerre est le passage incontournable des officiers supérieurs des armées françaises, amis et alliés, pour devenir les chefs militaires de demain. Et ça me fait sourire, parce que moi qui ai porté les armes pendant plus de 22 ans et demi, j'ai pratiquement tout lu de la littérature d'égyptologie et linguistique pendant des années. Et sachez que donc depuis 40 ans, j'ai passé pas mal de temps à étudier différentes disciplines scientifiques. J'ai abandonné mes études universitaires les unes après les autres. J'ai mis le nez en médecine, j'ai mis le nez en physique-chimie, j'ai mis le nez en maths, j'ai mis le nez en sémantique générale pour un premier cours de l'année après. J'ai fait des études classiques, latin-grec. Moi, j'ai un bagage d'études assez considérable dans beaucoup de domaines. Et mon expérience s'étend à l'enseignement. J'ai pratiqué une quinzaine d'années auprès de la ville de Paris, auprès d'enfants, d'adultes, de vieillards. Est-ce que vous avez une formation en linguistique? En Sorbonne. Et j'en ai pour preuve littérale que, étant allé il y a quelques années à l'école polytechnique, j'ai été ingénieur conseil en communication hôtelière et touristique pendant plus de 22 ans. Et moi, pour la plupart, les sujets, je les étudie de manière suivie depuis 40 à 45 ans. Parce que j'avais fait quelques études de médecine dans les hôpitaux dans lesquels j'ai pu travailler. 54 ans, dont 36 passés dans l'expérience musicale.
dans beaucoup de domaines, à savoir aussi bien la conception, la réalisation, la réparation d'instruments. J'ai une formation scientifique en fait multiple, hein, dans les arts, toutes sortes d'armes, arts martiaux aussi. J'ai un passé quand même très considérable. J'ai, étudié les arts martiaux pendant des dizaines d'années. J'ai enquêté évidemment pendant bon nombre d'années. J'ai arrêté à la 108e enquête. Je suis allé sur place. J'ai rencontré un très grand nombre de personnes. J'ai fait des études dans ces domaines. J'ai visité, autant que je m'en souvienne, environ 68 pays. Et quand je dis visiter, c'est-à-dire dans les racines, avec les langues, avec les coutumes, etc. Moi, en revanche, ayant commencé mon existence dans la philosophie, j'ai beaucoup voyagé pendant plus de 22 ans. J'ai passé 42 ans sur ce même sujet et d'autres. Allez, un dernier pour la route. Moi, à 13 ans, j'étais chef d'équipe de secouriste à 13 ans. Voilà, responsabilité, avec des pompiers et des médecins même sous mes ordres. C'est-à-dire, maintenant, ça a beaucoup changé. Avec un CV de cette envergure, il lui sera très simple de le confirmer en publiant ses diplômes. Mais 6000 de mes livres m'ont été volés, entre autres, avec des vêtements, avec une collection de timbres de grand prix, avec mes souvenirs personnels, avec mes diplômes, tout le bazar. Si jamais vous apercevez les diplômes de Jacques Rimaud sur le marché noir, n'oubliez pas de prévenir les autorités immédiatement. Ingénieur en communication hôtelière et touristique, c'est votre métier, vous êtes un touriste. Jacques n'a jamais été ingénieur conseil. Il n'a même pas le bac. Jacques quittera l'école très tôt et n'aura jamais aucun diplôme. Pour s'en justifier, il déclarait à ses amis. Il avait arrêté ses études avant le bac parce qu'il prétendait que ses profs étaient des ignorants et qu'il en savait plus qu'eux dans tous les domaines. Il n'avait que 25 ans et c'était déjà un grand manipulateur, extrêmement prétentieux, pas vraiment honnête sur le plan argent, avec des idées d'extrême droite. Je me suis même demandé s'il n'était pas un peu pervers narcissique. Durant les années 70, Jacques n'a pas de travail stable et vit de petits boulots. Il sera pion dans un collège ou un lycée et n'y fera qu'une seule année. Ensuite, jeune homme au père, il s'occupait de deux enfants au sein d'une famille aisée vers la place Saint-Augustin, dans le très chic 8e arrondissement parisien, mais Jacques ne reste pas. Puis, animateur au centre Valère dans le 9e arrondissement, il n'y restera pas non plus. Peu enclin à se réaliser et à gagner correctement sa vie, c'est dans la musique où Jacques Rimaud se réfugie. Passant des heures à jouer du charango, une sorte de petite guitare sud-américaine. Il développera une grande dextérité et deviendra un excellent joueur. Tous les témoins de cette époque sont unanimes, c'est un virtuose. Ce talent, forgé à force d'heures de pratique, lui permettra de donner des cours et de se faire des amis. D'abord chez sa mère, en proie à de grandes difficultés sur lesquelles ne nous étalerons pas, Jacques ne la présente ni à ses élèves, ni à ses amis. D'ailleurs, Jacques ne parle jamais de sa famille, encore moins d'un grand-père qui l'aurait formé aux pratiques ésotériques, qu'il revendra abondamment par la suite. Depuis 1973, Jacques Rimaud est en couple avec Dominique D, et ils finiront par s'installer dans une petite chambre de bonne, sans aucune commodité, au 6e étage du 13 de la rue des Arquebousiers, dans le 3e arrondissement. Il continuera en ce lieu à donner des cours, mais au bout d'un moment, les dents grincent et la révolte gronde parmi les élèves. Si Jacques est un virtuose, il ne fait que des démonstrations de ses propres aptitudes. Bien évidemment, ne pouvant pas le suivre, ses élèves se sentent rabaissés et humiliés. Nous entrevoyons déjà le contour de ce que sera Jacques Rimaud toute sa vie. Dans les années 80, Jacques Rimaud joue avec de nombreux musiciens. C'est un bon joueur. Pour autant, certains d'entre eux ont gardé une image de Jacques assez particulière. Écoutez. Mais à l'époque où vous l'avez connu, avec le recul, était-il si différent d'aujourd'hui ? Avec le recul, il était véritablement infect avec tout le monde. Il assumait la zizanie partout. Il faisait ami-ami par devant et dénigrait violemment par derrière. D'ailleurs, il passait beaucoup de temps à critiquer ses plus proches, les faisant ostensiblement passer pour des imbéciles. Et personne ne lui en a tenu rancune, même avec les années. Les plus rancuniers ont gardé une furieuse envie de le gifler, même encore maintenant. Après un service militaire qu'il effectue en tant qu'appelé au service des transmissions, il est affecté à la musique militaire au fort du Mont-Valérien à Paris. Et ça me fait sourire parce que moi qui ai porté les armes pendant plus de 22 ans et demi... J'ai eu des activités militaires que je ne développerai pas et vous devez bien pourquoi. Je suis encore assujetti à ces contrats-là. Donc, après son service militaire minimum, Jacques Rimaud s'est fait la vidéo avec un ami antillais.
Thierry Fay, qui est également musicien. Il participe au tournage de quelques clips promotionnels touristiques pour des hôtels en France et en Tunisie. Voilà toute l'expérience qu'il aura dans le tourisme, bien loin de l'ingénieur conseil revendiqué dont il ne peut se prévaloir. J'ai été ingénieur conseil en communication hôtelière et touristique pendant plus de 22 ans. C'est essentiellement dans la musique qu'il se montre, sans pour autant gagner correctement sa vie. À sa décharge, c'est une voie difficile, surtout en France, dans le créneau des musiques traditionnelles des Andes. Il effectue des concerts dans une formation dénommée la Sanda Nueva. Il est également à la base de plusieurs groupes, mais à chaque fois, tout vole en éclats tant il est détestable. Il prend comme nom de scène Raimi del Prado. Le groupe connaît un succès parmi les initiés. La musique est de qualité. Jacques Grimaud incorpore au spectacle une petite troupe de danse traditionnelle qui a une forme associative et dont il est président. Un jour, la caisse de l'association se volatilise. Des doutes émergent, des soupçons. Sans preuve, personne ne dit rien. C'est à ce moment-là, le seul contact qu'il a avec le monde des associations, contrairement à ce qu'il raconte. Se joint parfois à la Sanda Nueva, une chorale latino-américaine. Notre Raimi del Prado, le doué du charango, repère dans cette troupe une jeune femme à son goût. Vesta Daniza Vett est une ressortissante chilienne, née le 7 avril 1962 dans la circonscription de Porto Rilos. Ils se marièrent en France le 15 mars 2003. Ils referont un mariage au Chili pour la belle famille de Jacques dans l'église de San Francisco de Borja de Santiago, église qui est depuis 1976 celle des forces armées du Chili, donc celle du dictateur Pinochet. Dans les années 90, Jacques prétend faire de nombreux voyages. Mais qu'en est-il réellement ? Mais dans une vidéo qu'on retrouve encore sur Internet d'ailleurs, Jacques prétend avoir visité plus de 70 pays, je crois, et en avoir appris toutes les langues. J'ai visité, autant que je m'en souvienne, environ 68 pays. Et quand je dis visiter, c'est-à-dire dans les racines, avec les langues, avec les coutumes, etc. De ce que vous l'avez connu dans sa période avant la révélation des pyramides et son association, donc, il a beaucoup voyagé ? Parce que nécessairement, il devait être absent souvent. Des voyages ? Quel voyage ! Jacques n'avait pas d'argent. Il était fauché comme les blés et bien trop feignant pour s'astreindre à travailler. Il ne foutait rien. Le travail, c'était pas assez bien pour lui. Alors comment aurait-il fait ? Non, Jacques n'a pas voyagé à notre connaissance. Pas entre les années 70 et 90. Nous aurions remarqué ses absences. Pas manqué d'avoir de longs comptes rendus tout à sa gloire. Or, entre les cours de charango et les répétitions, il était accessible chaque semaine. D'accord. Et il prétend aussi, dans pas mal de vidéos, que c'est son grand-père qui l'avait initié à l'hermétisme. Il se trouve que moi, j'ai hérité de mon grand-père, mais ni mon frère aîné, ni mon frère Benjamin, le plus jeune donc, n'ont eu droit à cela. Il m'a dit « Pour toi, j'ai d'autres voyages ». Il vous en parlait déjà à l'époque ? J'ignore de quelle initiation il s'agit, mais non, pas entendu parler de ça. D'ailleurs, Jacques ne parlait jamais de sa famille, on aurait dit une sorte de tabou. Il ne nous présentait même pas à sa mère, chez qui nous répétions nos morceaux. Ah bon, malgré que vous répétiez chez elle, vous l'avez jamais vue. Quelquefois nous avons joué avec son frère Yves, mais c'est tout. Et c'est pareil, il prétend avoir fait, je crois, 40 ans de karaté dans une de ses vidéos, dans laquelle il dit d'ailleurs qu'il a un passé très considérable, je cite, dans de multiples domaines d'études. J'ai un passé quand même très considérable, j'ai, étudié les arts martiaux pendant des dizaines d'années. Il me semble qu'il s'est essayé au karaté, sans certitude. Dans tous les cas, il n'a pas dû aller bien loin, sinon vantard comme il était. Nous en aurions entendu parler et on aurait probablement fait des démonstrations. D'accord, donc les études, le karaté, il n'y a que du pipeau derrière, quoi. Il mentait tellement qu'il était impossible de démêler le vrai du faux. Nous n'étions là que pour la musique, alors ces persiflages rocambolesques, on ne les écoutait plus. Et du coup, quand vous l'avez connu à cette époque, jamais il a essayé de vous embrigader dans ses thèses, dans son système de pensée, pour tenter de vous manipuler ou... Ah oui, très certainement. Il avait essayé de placer ses foutaises à plusieurs reprises, mais ça ne prenait pas du tout. C'était autour des extraterrestres sur Terre, et comme il avait vu les sourires de ses interlocuteurs, il s'est rapidement abstenu d'en parler. Par contre, à cette époque, il s'affichait royaliste, et surtout avait des idées extrêmement étroites, teintées de négationnisme. Vraiment ? De quel genre ? Il parlait des travaux de Robert Forisson et son antisémitisme ne faisait aucun doute. Effectivement, on a constaté ça aussi sur sa page Facebook, il parle de talmudiste, mais ça ne trompe personne. Et sur son profil VK, le Facebook russe, il y a des caricatures tout à fait antisémites, donc a priori c'était déjà le cas avant. Parce que lui s'en défend,
en prétextant qu'on utilise ça pour lui nuire et ruiner sa crédibilité en quelque sorte. Et donc pour lui, c'est des accusations qu'on lui porte à tort. Mais s'il était déjà actif sur ce point bien avant d'être connu, ça change tout quelque part. Il ne s'en cachait pas. S'il sentait de la réceptivité, il devenait volubile sur le sujet. Puis cela s'est arrêté, nous ne voulions pas entendre parler de ça. Atlantis est une association fondée en 1926 par Paul Lecourt. À la fin des années 90, Jacques Rimaud prend de plus en plus de place au sein d'Atlantis, avec, semble-t-il, le soutien d'un de ses rédacteurs les plus éminents, François Dupuis-Pacheron. Ainsi, il est administrateur en 1995 sous la direction de M. Henri Baudard. Il devient conférencier au sein de l'association Atlantis en 1998 et rédacteur au sein de la revue du même nom. Peu de temps avant la mort d'Henri Baudard, il devient président de l'association. Enfin, à partir de novembre 2009, il est rédacteur en chef et assure la direction de la publication de la revue. Dès lors, il semble que Jacques Rimaud reprenne à son compte une grande partie des hypothèses de François Dupuis-Pacheron. Les morts de Jean Faure, puis Guy-Claude Mouny, les auteurs historiques de la revue Atlantis, semblent laisser le champ libre à Jacques Rimaud. Il s'approprie leurs théories, qu'il réemploie dans des articles, souvent sous le pseudonyme d'Antoine Pleuschlein, ou des ouvrages comme Nostradamus, son message aux hommes de bonne volonté. C'est durant cette période que Jacques Rimaud s'associe à un producteur, Olivier, et à un réalisateur, Patrice. Les deux derniers nommés fondent, dès 2003, une société de production nommée Equanim. Equanim, société à responsabilité limitée, est composée de trois associés, dont Patrice, le réalisateur, et Olivier, le producteur. Olivier étant l'associé majoritaire avec 51% des parts. Cette société connaîtra bon nombre de péripéties par la suite. Equanim a pour but de produire une œuvre audiovisuelle mettant en avant l'ensemble des hypothèses d'Atlantis. Une période d'écriture s'ouvre. Jacques Rimaud, dans un premier temps, n'apparaît pas dans cette structure, restant dans l'ombre, une position qu'il aime revendiquer. En effet, entré au sein de cette organisation ancienne, Jacques Rimaud revendique peu à peu son rôle moteur. Il aurait se lancé dire, donné à ses hommes sans savoir, leur demandant de ne jamais le citer. Et c'est pourtant tout le contraire. Jacques Rimaud profite du décès de ses éminents prédécesseurs pour mettre en musique leur savoir et surtout le monnayer. C'est donc en 2003 que Jacques Rimaud, associé à un producteur et à un réalisateur, commence à travailler à ce nouveau projet, lui permettant de diffuser à plus grande échelle tout en restant à la tête d'Atlantis. En 2008, le tournage de la Révélation des Pyramides peut commencer. Durant son passage à Atlantis, vous allez voir que tout ne se passe pas si bien. Écoutez. Pouvez-vous nous parler du passage de Jacques Rimaud chez Atlantis ? Alors le passage de Jacques Rimaud chez Atlantis a laissé un très très mauvais souvenir. Il y a eu beaucoup d'histoires. Il faut savoir que Olivier avait une collection personnelle de recherches, de livres, qu'il a prêté à Jacques Rimaud, notamment pour la révélation des pyramides, car comme tout le monde le sait, Jacques Rimaud n'a rien découvert. Et ces livres revenaient jamais. Et pire encore, les livres de la collection Atlantis disparaissaient un à un. Jacques Rimaud était le seul à avoir les clés, comme il était président. Alors il empruntait des livres, mais il ne les ramenait jamais. Et un jour, Olivier a demandé des comptes à Jacques Rimaud, le temps est monté. Où sont passés ces livres? Il y a ma collection personnelle, il y a les livres de l'association. Jacques Rimaud a commencé à sortir des excuses en disant « je me suis fait cambrioler ». Et les livres ont été volés. Les cambrioleurs sont venus pour voler les livres. Voilà l'explication de Jacques à cette période-là. Jacques Rimaud est sûrement la personne qui se fait le plus cambrioler au monde. Regardez. Et j'ai pu évaluer le nombre de détournements de contacts à 70. Il y a 50 000 euros qui ont été détournés d'un propre compte qui est le mien. Il y a notamment le vol d'une pyramide de bois. Je possédais énormément de livres, plus de 50, que j'avais récupérés en Inde du Nord et dans la région de Bombay, et ça m'était volé. Volé pendant mon absence, quand j'étais en Égypte, trois ordinateurs de haut de gamme qui nous servaient à faire le film, avec tout ce qu'il y avait dedans, à savoir les logiciels, les images, les textes, enfin la totale. Ça, c'est le type de vol qu'ils organisent l'un et l'autre. Il a été financé à hauteur de 106 000 euros. Mais il faut savoir qu'à cause des trolls et de leurs alliés, etc.,
deux individus, en fait, en réalité trois, parce qu'il y avait une complice, ont pu détourner 87 000 et quelques euros de cette somme. Puisque non seulement ils me volent moi, ils me dépossèdent de mon travail. Mais 6 000 de mes livres m'ont été volés, entre autres, avec des vêtements, avec une collection de timbres de grand prix, avec mes souvenirs personnels, avec mes diplômes, tout le bazar, c'est-à-dire 35 mètres cubes de choses m'appartenant qui m'ont été dérobées. Et de manière vraiment concrète, ce sont des personnes qui sont venues à 7 personnes avec un camion. Personnellement, je ne vois pas comment Jacques Grimaud a réussi à entreposer 35 mètres cubes d'affaires dans son studio parisien. Reprenons. Donc, bien évidemment, personne n'a cru cette version, d'autant plus que cette histoire s'est reproduite après la mort de François Dupuis-Pacheron. Il faut savoir que François Dupuis-Pacheron était très âgé et il avait une collection personnelle de livres, de ses écrits, qu'il gardait chez lui, une bibliothèque. Avant sa mort, Jacques Grimaud allait très régulièrement au domicile personnel de François Dupuis-Pacheron. Lorsque malheureusement le décès de François Dupuis-Pacheron est arrivé, on s'est aperçu que toute la collection des livres de François Dupuis-Pacheron avait disparu. Alors, bien évidemment, tout le monde a demandé des comptes à Jacques Grimaud, qui était un des seuls à aller chez lui régulièrement. Et ce dernier a trouvé comme excuse d'incriminer le gardien de l'immeuble. Selon lui, c'est le gardien de l'immeuble qui serait rentré chez François Dupuis-Pacheron pour voler les livres. Alors ça commençait à faire beaucoup. Et un jour, Olivier tombe chez un brocanteur sur Paris sur les livres d'Atlantis. Alors bien entendu, Olivier a demandé des comptes à Grimaud. Le ton est monté. Lors de l'Assemblée Générale, tout le monde a demandé des comptes sur tous ces vols. Les vols d'Olivier, les vols sur les livres d'Atlantis et les livres de François Dupuis-Pacheron. Vous vous demandez sûrement où ont bien pu passer tous ces livres. Nous sommes tombés par hasard sur un échange entre Jacques Grimaud et un de ses proches de l'époque. La relation est troublante. En effet, près de 3 mètres cubes de livres ont été entreposés dans une cave pendant près de 8 ans. Les dates correspondent avec la disparition des livres de chez Atlantis. On peut y lire « Je te rappelle que, voici bientôt 8 ans que tu encombres ma cave de tes paperasses. Je t'ai demandé à plusieurs reprises, verbalement ou par écrit, de m'en débarrasser. Tu ne m'as adressé aucune réponse. » Je t'avais fait cette gentillesse afin de t'éviter de louer un box. Je me rends compte que je suis bien mal payé en retour. Après cet échange, Jacques ne tardera pas à venir récupérer ses livres. Il se fera aider par un certain Momo qui possédait un camion à l'époque. Jacques Grimaud, mis au pied du mur, a commencé à s'énerver et c'est là qu'il a, en tant que président, il a viré des membres de l'association, dont Olivier. C'était surréaliste. Voilà. Donc tout ça pour tout vous dire que Jacques Grimaud a laissé un très 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 mauvais souvenir lors de son passage à Atlantis. Y a-t-il eu d'autres problèmes avec Jacques Grimaud chez Atlantis ? Les soucis, il y en a eu plein avec Jacques Grimaud. De mémoire, d'ailleurs, il n'y a eu que ça. Je peux vous citer aussi un exemple. Il est parti en Égypte, en vacances, lui et sa femme, aux frais de l'association. Il y en a eu pour 10 000 euros de voyage, sans demander à personne. Il a aussi, avant de partir, mis en carafe le site internet de l'association. On a fait venir un technicien, il y en avait eu pour 20 000 euros de réparation, il fallait tout refaire. Une association qui porte plainte contre son président, c'est pas courant. Nous nous sommes donc procuré le jugement de la cour d'appel du 11 septembre 2015. Il y fait mention ici des différends entre Atlantis et Jacques Grimaud. Notamment le vol de matériel, le voyage en Égypte avec Vesna, ainsi que la désactivation du site internet Atlantis. Jacques Grimaud a été condamné à 1000 euros d'amende et condamné à restituer le matériel emprunté. Pour quelqu'un qui se vante de gagner tous ses procès, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Comment Jacques Grimaud a quitté l'association ? Son départ, à vrai dire, il avait beaucoup plus d'ennemis que d'amis dans l'association. Et je ne rentrerai pas dans les détails, mais on l'a poussé un peu à partir. Voici quelques dates importantes pour bien comprendre la situation. Le 4 février 2003, création de la société Equanime Productions.
Le 10 juin 2008, Jacques Grimaud rentre dans la société. Puis, la prononciation de la liquidation judiciaire se fera le 4 mai 2017. Olivier et Jacques sont donc dans la même société depuis juin 2008. Mais au même moment, durant ces années, Jacques et Olivier sont également membres du bureau Atlantis. Jacques étant le président et Olivier membre du bureau Atlantis. Je vous rappelle que Jacques Grimaud a viré Olivier d'Atlantis car ce dernier l'accusait de vol. Je vous laisse donc imaginer l'ambiance chez Equanime Productions durant toutes ces années. Ainsi, le passage de Jacques Grimaud à Atlantis n'a pas laissé de bons souvenirs, et cela a des conséquences. Pendant 5 ans, Patrice et Jacques se mettent à l'œuvre et écrivent le scénario de la révélation des pyramides. Tout s'accélère en 2008. Patrice se lance alors dans la collecte de fonds. Un plan de financement ambitieux de près de 2 millions d'euros est mis en place. Patrice arrivera à lever 975 000 euros environ. Moi, j'ai réuni par l'intermédiaire de mon canal de relations 950 000 euros. Ce qui reste déjà une belle somme pour un documentaire. Le plus gros contrat de coproduction est signé avec une société lyonnaise qui apporte 500 000 euros. Plusieurs contrats sont également passés avec Patrice comme auteur-réalisateur et Jacques comme auteur. Comme nous en avons parlé précédemment, Jacques entre dans le capital d'Equanime en juin 2008 et rachète 208 parts à Olivier et 43 parts à Patrice. Les trois associés ont alors chacun 251 des 900 parts sociales d'Equanime Productions. Un quatrième n'a que 147 parts. À ce moment-là, l'entente est encore bonne. Le travail commence, les associés peuvent alors acheter une partie du matériel nécessaire à la réalisation du film. Puis, souvenez-vous, c'est à ce moment-là que la guerre éclate entre Olivier et Jacques, ce qui n'est pas sans conséquence, car les deux hommes sont liés dans le projet du film. Ayant à eux deux la majorité des parts sur Equanime, soit 502 parts sur 900, Patrice et Jacques ont les mains libres. Le 16 janvier 2009, un administrateur est nommé pour s'occuper de la gérance d'Equanime. Le 2 février 2009, Jacques Grimaud reçoit 22 000 euros pour la vente d'images nécessaires au film. Une question reste en suspens. D'où peuvent venir ces images ? Il obtient également par un second avenant une rémunération de 8,75% du RNPP sur les recettes futures de LRDP. Le tournage se poursuit sur différents endroits du globe avec l'objectif de livrer le film pour le 17 mars 2009. Mais il semble avoir pris un peu de retard. Peu importe, le travail continue entre les deux compères. Le 29 octobre 2010, LRDP est fini et a obtenu le visa d'exploitation du ministère de la Culture. Equanime peut alors l'exploiter. C'est à ce moment-là que tout dérape. En effet, Jacques Grimaud n'a jamais régularisé l'achat en 2008 des parts sociales à Olivier pour un montant de 10 400 euros. Rappelez-vous que Jacques a pourtant touché 22 000 euros pour la vente d'images. Olivier ne va pas se laisser faire et va donc engager des procédures afin d'obtenir la restitution des parts non payées par Jacques Grimaud, comme la loi le lui permet. Après plusieurs procédures, Olivier obtient par le tribunal de commerce de Paris le 4 mars 2011 la restitution des parts sociales de Jacques Grimaud. Cette énorme erreur de Jacques permet à Olivier de passer de 251 parts à 459 sur 900. Il devient donc majoritaire de la société à lui tout seul. De ce fait, il peut alors se prévaloir comme gérant d'Equanime. Voici le procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire d'Equanime du 28 juin 2011 qui résume la situation. Cette Assemblée Générale est digne d'un passage de télé-réalité. C'est à partir de ce moment-là que le contrôle de LRDP échappe définitivement à Patrice et à Jacques. Olivier est donc à ce jour actionnaire majoritaire et gérant de la société Equanime Productions. Il tient alors sa revanche à l'encontre de Jacques, qui, rappelez-vous, l'avait viré de l'association Atlantis. La cour d'appel du 22 juillet 2011 confirme la restitution des parts. Jacques et Patrice, ne pouvant plus exploiter à leur guise le film censé révolutionner la connaissance, les deux compères n'ont plus aucune marge de manœuvre. C'est là qu'étonnamment, LRDP se retrouve en libre accès sur le net. Cette diffusion libre ne bénéficie pas à Equanime, qui se retrouve alors privé de sa source unique de financement. En revanche, Patrice et Jacques bénéficient d'un coup d'une très grande notoriété. Ils décident de profiter de cette notoriété soudaine pour monter une nouvelle société, Hawaiian Film, immatriculée le 1er octobre 2014. Lors de la création, Patrice et Jacques auront chacun 50% des parts. Il reste à Patrice des images et Rush de LRDP. C'est alors qu'ils vont sortir un documentaire intitulé Gizet 2005. Dans ce film, Jacques apparaît enfin à visage découvert et prétend qu'il est l'auteur des découvertes présentées dans le film, qu'elles sont issues de ses propres recherches, silencieuses, depuis des décennies. Où j'en ai parlé à peu de personnes. J'en ai parlé, par exemple, parce qu'on avait des activités communes
au colonel Guy-Claude Mouny, qui en a fait des livres, mais il avait suivi mon instruction, à savoir « tu ne parles jamais de la source, c'est-à-dire de moi ». J'ai fait la même chose auprès d'un membre de l'association Atlantis, qui est l'une des plus anciennes en ces matières de recherche en France, et je lui ai donné des éléments avec la même demande, qu'il ne cite jamais mon nom. Guivet 2005 est à la fois une récupération de LRDP et le fondement de la suite. Nous n'en avons pas la preuve, mais s'ils avaient voulu faire en sorte qu'Olivier perde le bénéfice de LRDP, ils n'auraient pas trouvé mieux que de faire fuiter le documentaire sur Internet. Quitte à perdre de l'argent, autant gagner de la notoriété. Les personnes à qui on enverra le film n'auraient pas l'idée aussi sotte et plus longue de le mettre sur Internet à titre gracieux comme l'avait fait le producteur précédent. Nous sommes en janvier 2011. Jacques Grimaud a acquis une grande notoriété dans le milieu. LRDP et Guivet 2005 ont totalisé plusieurs millions de vues à travers le monde. Jacques, après avoir été forcé à la démission de l'association Atlantis, décide de monter sa propre association le 16 mars 2011, pompeusement nommée la Nouvelle Atlantide, dont il s'arrogera la présidence. Cette association à but non lucratif sera au contraire très lucrative pour Jacques, mais ça, on en parlera un peu plus tard. En 2015, Jacques et Patrice préparent à deux la révélation des pyramides 2. Ayant perdu le premier film sur Internet, Patrice aura du mal à trouver un financement. Ils décidèrent alors de faire appel à la générosité du public. Ils lanceront un programme de financement participatif via la plateforme Internet Ulule. Deux cagnottes en ligne sont lancées. La première récoltera 112 889 euros, la seconde 79 381 euros, pour totaliser la somme de 192 270 euros. Somme à laquelle il faut retrancher 8% de frais. Il restera environ 177 000 euros pour produire le film, soit 5 fois moins que pour LRDP. La charge de travail pour la création d'un nouveau film est grande. Ils reçoivent alors l'aide d'une nouvelle personne, Adrien. Je m'appelle Adrien Moisson, j'ai fait vétérinaire, après une école de commerce. J'ai fait de la production artistique et publicitaire pendant plus de 15 ans. Et j'ai tout lâché pour suivre l'équipe de LRDP. Qui endossera le rôle de producteur. Jacques, lui, est censé fournir le script du second opus. Mais il se fait désirer, prétextant de nombreuses excuses pour justifier son retard. Les billets d'avion étant réservés, ils ne peuvent plus attendre le fameux script et partent à l'île de Pâques, puis en Bolivie. Le tournage semble mal se passer. Et donc voilà, moi j'ai eu un incident en Bolivie qui m'a mis la puce à l'oreille, mais bon, je pensais qu'après ça allait se débloquer. J'ai tourné une séquence avec Eric Gontier et Jacques Grimaud. Qui était venu ici d'ailleurs, qui nous avait bien sûr, bien sûr. Mec qui, génial. Ben Jacques coupait la parole à Eric. Enfin, il y avait ça marchait pas. Il répétait les trucs d'Eric. Enfin, j'ai dit non, on tourne Eric, on tourne Jacques. J'en ai parlé à Jacques. Il dit oui, mais c'est pas le film d'Eric Gontier, c'est mon film. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit aïe, problème. Allez, c'est parti, ça tourne. Vas-y. Ça tourne, Laurent, lève-toi. Qu'est-ce que vous faites là? Là, je vais mesurer la hauteur. Non, on reprend. Ah, Eric, là, tu mesures la hauteur littéralement de ce petit bloc. Et grâce à un procédé facile qui est d'une extrême précision, ça nous donne 1,23 m, ou plus exactement 1231 mm. Donc la précision est extrême. À ton missel, c'est exact. Il prend des notes, lui, comme tout bon musicien. Même punition, même motif. Non, on va faire. Non, c'est toi qui fais ça parce que le monsieur là-bas, qui est payé pour ça, il va nous assassiner. Tu me le fais là, c'est chaud. D'accord. Je pense que ça, c'est beaucoup plus précis compte tenu de la découpe là. Si tu veux bien te plier à cet usage. Erreur. Elle n'était pas dans le plan du machin chose. Donc. Raccourcis tes phrases. On y va. Voilà. Non, il faut savoir à quoi ça correspond. Vas-y, allez. L'intérêt du fait que j'ai constaté que la première fois que je suis venu, il y a 40 ans, il y avait 46 pierres de cette espèce et maintenant il n'en reste même pas une quinzaine. De retour à Paris, Patrice, pleine de doutes, demanda avec insistance le script tant attendu à Jacques. Mais Jacques trouvait des excuses et faisait traîner. Puis, le script arriva enfin. Nous nous sommes procuré ce fameux script, 70 pages, qui ressemble plus à un devoir de collégien épris d'écriture fantastique qu'à un script pour un documentaire censé renverser les connaissances du monde. Cette fois-ci, Patrice prit le temps de tout vérifier. Sachez d'abord que le scénario de Jacques, on l'a, mais qu'il est faible, qu'il n'y a pas assez d'éléments. La surprise fut grande, car tout était entièrement plagié. Effectivement, nous avons vérifié. À gauche, le scénario de Jacques, où on peut y lire « Représenté à l'aide d'une unité de mesure empruntée au globe terrestre, etc. » À droite, on peut y lire exactement la même chose « Représenté à l'aide d'une unité de mesure empruntée au globe terrestre, etc. » Tiré du livre « Les secrets des pyramides de Memphis » par Léon Mailloux, où ici, sur la pile de Bagdad,
tirée de cet article sur Internet, encore plagiée au mot près. Ou encore ici, ou encore là, toujours du copier-coller au mot près, tiré du livre La conspiration des pôles. Là également, tiré de ce livre, Jacques a dû se sentir malin en cachant certains mots, mais on les retrouve tous dans les textes originaux. Sans doute voulait-il se prévaloir d'un plagiat, de son propre plagiat. Le scénario n'est en fait qu'un énorme copier-coller de différents ouvrages. Patrice a dû littéralement tomber de sa chaise lorsqu'il a vérifié ce scénario. On est bien loin des grandes découvertes clamées haut et fort par Jacques Grimaud. Que je suis l'auteur, c'est-à-dire la source des choses. Se sentant démasqué, Jacques essaye de retourner la situation et lance alors un véritable ultimatum. Dans un mail du 4 septembre 2016, il envoie un contrat à Patrice et Adrien pour lequel ils doivent se soumettre. Je vais simplement dire qu'on m'envoie un doc dans lequel je signe les pleins pouvoirs. C'est-à-dire que j'ai plus aucune latitude de décision. Mais ça, c'est Jacques qui te l'envoie, c'est l'homme de loi qui est derrière Jacques. Non, c'est Jacques Grimaud qui rédige un contrat. Un contrat entre Adrien, lui et moi. Et dans lequel, je lâche toute latitude, j'ai plus aucun pouvoir. Donc tu filmes, quoi, c'est tout. Et encore, j'ai juste le pouvoir de la fermer, quoi. Impossible pour Adrien et Patrice de signer un tel contrat. Et pour cause, jugez par vous-même. Il nous envoie ce contrat cadre. Surréaliste. Le document d'un roi à ses esclaves. Par exemple, clause de tranquillité. Personne ne s'autorisera la moindre crise en public ou en privé, type colère, bouderie, atermoiement, remise en cause de personne à travers telle ou telle action ou propos. Ce qui, si elle survenait, entraînerait ipso facto le prononcé de son éviction définitive et sans appel. Ça veut dire que si on boude, on est viré, ipso facto. Près de 200 000 euros ont été versés par le public pour faire un film. Patrice décide alors de publier un long courrier où il explique précisément la situation. Il revient sur le tournage à l'île de Pâques. L'informateur, à visage découvert cette fois, sur fond de muraille. Non seulement rien d'intéressant n'en sort, mais il termine par « Vous verrez dans mon prochain film ». J'essaye de lui faire comprendre qu'on est justement dans le prochain film, mais peine perdue. Le clash est alors prononcé entre les deux hommes, et ce sera irrémédiable. Après être entré en conflit avec l'association Atlantis, puis Olivier, c'est maintenant au tour de Patrice. C'est exactement la même situation qui est en train de se passer, sauf que moi, j'ai la vie, tu vois, on rejoue la pièce, mais on change le rôle. Et moi, je suis dans un autre rôle. On notera que Patrice ira jusqu'au bout de ses engagements, puisque malgré tout, il sortira son film, intitulé « Les bâtisseurs de l'ancien monde ». Nous allons maintenant rentrer dans la partie la plus sombre de ce reportage. Et comme le dit Adrien... Je ne vais pas rentrer sur l'argent, parce que au niveau de Jacques, c'est assez sale. Sachez que tout est fait en cash. Nous sommes en septembre 2016. Après s'être débarrassé d'Atlantis, d'Olivier, de Patrice et d'Adrien, Jacques Grimaud est enfin seul aux manettes, comme il le dit. Il faut penser que je suis tout seul aux manettes derrière tout, pratiquement. Il a les mains libres, et plus personne ne va l'empêcher de pouvoir monnayer cette soudaine notoriété. Jacques passe dans différents médias, explique qu'il s'est fait flouer par Patrice, mais qu'il va quand même sortir son propre film, et ne tarit pas d'éloges à propos de celui-ci. Parce que toutes les personnes qui contribuent à ce film, ils disent « c'est géant, c'est incroyable, c'est extraordinaire, c'était impossible à imaginer ». Jacques a autour de lui quelques jeunes informaticiens. Il ira leur demander de travailler pour lui sur la réalisation de la révélation des pyramides 2. Moyennant en échange une rémunération future sur les recettes du précieux. Ces personnes travaillent à titre gracieux et associatif. Bien entendu, aucun contrat ne sera établi. Jacques lance alors la première promo de RDP2 officiellement le 10 octobre 2016, soit un mois à peine après le clash. Une seconde annonce en décembre 2016 indiquera que la réalisation du film vient de démarrer. C'est alors que Jacques eut l'idée de lancer sa propre campagne de financement. Mais curieusement, il ne se tourna pas vers Ulule, comme c'était le cas avec Patrice, mais avec Eloasso. Nous nous sommes intéressés alors sur ce choix, et nous nous sommes rendus compte que contrairement à Ulule et à la majorité des plateformes participatives, Eloasso n'impose pas que l'objectif soit atteint pour reverser l'intégralité des sommes collectées. Autrement dit, qu'il y ait un film ou qu'il n'y en ait pas, que l'objectif soit atteint ou non, peu importe. L'argent collecté peut être encaissé à tout moment sur le compte de Elena. Cette campagne de dons débutera en janvier 2017 et se terminera en décembre 2018, pour totaliser près de 2 ans. Durant cette période, on ne dénombrera pas moins de 16 promotions,
ainsi que plusieurs bandes annonces, avec des phrases choc. Nous reviendrons un peu plus tard sur la campagne de financement LOASO. Nous avions nous aussi nos informateurs secrets. Parmi ces informateurs, certains avaient des documents très importants. Voici un document d'une très grande importance et totalement inédit. Vous êtes maintenant prêt pour voir ceci. Il s'agit des relevés des comptes bancaires de l'association La Nouvelle Atlantide, présidée par Jacques Grimaud. Il y fait mention de toutes les opérations effectuées sur 5 années. Nous avons passé des heures à éplucher ce relevé de compte, et le constat est alarmant. Avant d'éplucher les comptes, faisons le point sur le cadre juridique d'une association. Une association est à but non lucratif, ce qui signifie qu'elle peut organiser des événements payants, recevoir des dons, des subventions, générer des bénéfices, mais elle ne peut pas distribuer. Les fondateurs ne peuvent pas se reverser les bénéfices réalisés par l'association. C'est la principale distinction avec une société commerciale. En clair, Jacques Grimaud ne peut en aucun cas s'enrichir personnellement sur le compte de l'association. Il ne peut pas non plus se servir du compte associatif pour son train de vie personnel, restaurant, vêtements, courses, alimentation, etc. Et pourtant, Jacques Grimaud utilise le compte de l'association uniquement pour ses frais personnels, comme pour faire ses courses, ou encore pour aller au restaurant, pour un total de près de 6000 euros dans le même restaurant. Je repensais alors à ça. J'ai calculé, on en est à 8 fois de pâtes par semaine et 4 fois de riz pour vous dire un petit peu l'économie générale des trucs. Ici dans un centre de bronzage. Et aussi dans des magasins en tout genre, pour un total de près de 1000 euros quand même. Et on ne se refuse rien, avec des coupes à 150 euros. Ou dans une grande bijouterie parisienne, où on dépense plus de 2000 euros. Il rémunérera également son fidèle bras gauche, Didier Jouan. Si vous vous posez encore la question de savoir où est passé l'argent du LOASO, vous en avez maintenant la réponse. Jacques est un menteur, et il le dit lui-même. Mythomanie. Jacques est malheureusement un menteur. Il n'y a aucun couloir qui mesure un mètre dans la pyramide. Personne. Moi, je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais écrit cela, ni Patrice d'ailleurs. Pour ce qui est des couloirs, on regardera ici et là. Et on s'apercevra que très curieusement, ces portions-là mesurent un mètre exactement. Pourquoi ne le dit-on pas ? Le mythomane. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui croit à ce qu'il raconte parce que ça le rassure, parce que ça le met droit, parce que ça le fait bien présenter à l'égard de quelqu'un d'autre. Le mensonge, ça fait partie des possibilités d'avoir un meilleur résultat. Je le dis très ouvertement, je suis capable de ça. Il n'hésite pas non plus à se montrer menaçant. J'ai un passé quand même très considérable. J'ai, étudié les arts martiaux pendant des dizaines d'années. Que depuis que j'ai été attaqué, je crois qu'il y en a eu 8 qui sont allés à l'hôpital en mauvais état. Hein, dont 2 qui étaient équipés de barres de fer. Il y en avait un qui était bien plus grand que moi, une tête de plus. Il y avait 2 à peu près de ma taille et 2 un peu plus ça. Et ça a été tellement rapide que voilà. Donc il y a 2 têtes contre le mur, 2 têtes l'une contre l'autre et 2 coups de boule chez le géant. Et ça a laissé du sang et des morceaux de dents par terre. Et la police m'a dit, mais vous êtes blessé? J'ai dit, non, pas moi. Mais vous êtes sûr qu'ils étaient 5? Ah bah oui, ça fait... Ça sonne, Jacques, avec Didier Jouan et 2 autres personnes. J'appelle vite Adrien, je lui dis, écoute, il y a Jacques qui est en train de sonner. Donc il y avait Patrice, sa femme, moi, et ouais, Adrien a des ordinateurs à moi, machin et tout. Je dis, écoute, Didier, sors de la maison, hein, tu fais que aboyer. Et là, Patrice sort et il tombe nez à nez avec Jacques. Et Patrice lui dit, espèce de menteur, de voleur. T'as vu tout ce que t'as fait, tout ce que t'as volé aux gens, tous les mensonges que tu rencontres aux gens. Jacques baissait la tête. Écoute, Jacques, il a acquiescé, il disait rien. Et Jacques, du coup, est passé. Patrice, il l'a bloqué. Et non, Jacques a bloqué Patrice. Et Patrice, il lui a dit, allez, vas-y, passe. Il est passé. Et en sortant, il ne fait pas des doigts d'honneur dans la rue en courant. Jacques, comme un gamin. Ah, avait Didier Jouan. Et là, je me suis dit, c'est que tout le monde aurait dû voir ça. Tout le monde aurait dû l'entendre. Tout le monde.
Mais il y a plus grave, notre Bruce Lee des pyramides ne s'arrête pas là et s'autoproclame comme guérisseur personnel. Grimaud, quand je l'avais interviewé, il s'était lui-même vanté d'avoir été condamné par le passé pour exercice illégal de la médecine. Puisque j'avais fait quelques études de médecine dans les hôpitaux dans lesquels j'ai travaillé. Il s'autoproclamait guérisseur et qui prescrivait des choses à des psychotiques qui le fréquentaient, vraiment des personnes qui avaient des maladies psychotiques, mais aussi qui avaient des, par exemple, des carences en fer, des choses comme ça. Et je me suis rendu compte qu'il leur prescrivait des épluchures de pommes de terre, des choses comme ça, et qu'il les éloignait des médecins qu'il appelait charlatans. On se demande si la médecine ne fait pas plus de victimes que ne rattrape de malades et de souffrants. Et c'est vrai que là-dedans, on se rend compte qu'il tient des discours qui peuvent être quand même hautement problématiques. Hein. Il vous explique que les médecins sont des charlatans, que lui-même est âgé de 175 ans grâce à la maîtrise parfaite de l'alchimie et la synthèse de la pierre philosophale. Moi, à 13 ans, j'étais chef d'équipe de secouriste à 13 ans. Voilà la responsabilité, avec des pompiers et des médecins même sous mes ordres, c'est-à-dire maintenant ça a beaucoup changé. Quelqu'un que j'appelle Thibaut dans mon article, qui me dit qu'il regrette de s'être fait retourner le cerveau, d'avoir perdu des années de sa vie avec les chimères que lui proposait Grimaud. Il me répétait que les médicaments ne servaient à rien, que ça ne pouvait pas m'aider. C'est quelqu'un qui avait des problèmes psychiatriques assez forts. Hein. Donc il le tenait quand même à l'écart des médecins pendant toutes ces années et devenait un peu son guérisseur personnel. Les mots me manquent, tellement c'est consternant. Jacques Grimaud cherche par tous les moyens de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'association. Le train de vie du couple Grimaud est dispendieux. Tous les moyens sont bons pour s'enrichir, jusqu'à s'apitoyer en conférence. Regardez. Alors, d'autre part, moi j'écris des petits livrets parce qu'on est tellement dans la mouise à cause de cet individu que nous, Vesna et moi, on n'a pas droit au RSA. Jacques Grimaud joue sur tous les tableaux. RSA, aide sociale, CAF, vente de livrets. Nous avons calculé. Jacques dépense en moyenne, sur 5 années, plus de 80 000 euros par an en frais personnels. À ceci, il faut rajouter les aides sociales et l'espèce. En parlant d'espèce... Je ne vais pas rentrer sur l'argent, parce que au niveau de Jacques, c'est assez sale. Sachez que tout est fait en cash. En 5 années, Jacques n'effectuera que 2 versements d'espèces sur le compte associatif pour un montant total de 2880 euros. Ça fait peu, lorsqu'on sait qu'il fait des dizaines de conférences par an, je crois. Il le dit lui-même. Qu'il faut être clair, pour ces qu'on n'a jamais rien touché d'autre que le produit de la vente de mes livrets. C'est donc mon travail qui me rémunère, qui rémunère ma famille, c'est-à-dire Vesna et moi. Alors, d'autre part, moi j'écris des petits livrets parce qu'on est tellement dans la mouise à cause de cet individu que nous, Vesna et moi, on n'a pas droit au RSA. Il m'a marqué dans les conférences, tout au début, c'était l'espèce. Mais quand je vois qu'il imprimait des livrets, on allait imprimer les livrets en imprimerie, ça lui coûtait le livre 1,40€, le livret, parce qu'on les aime 1,40€, le livret, bien sûr, et il les vendait 15 balles. 14€, vous avez quoi de 14 sur chaque livret. Et quand les mecs n'avaient pas de sous, ils disaient, ben, tant pis, je te le vends pas, quoi. Il a gagné plus de 16 000€ en vendant des livrets qui sont des photocopies avec plein de fautes à l'intérieur, pendant les conférences. Tout ceci, net d'impôts bien sûr. Parlons maintenant des voyages en Égypte. Une source de rentrée d'argent encore très lucrative pour Jacques. Le premier voyage fut organisé en 2017, pour 1761€ par personne, pour une cinquantaine de personnes à chaque fois. Il recommença chaque année, en augmentant les prix jusqu'à 2020€ par personne, toujours sous le couvert de l'association LNA. Là encore, l'escroquerie est manifeste. Voici des témoignages de personnes s'estimant flouées par les voyages en Égypte. On y apprend que 7 excursions payées n'ont pas été réalisées et que le groupe a dû se cotiser pour payer le bateau car Jacques ne l'avait pas fait. Une vraie catastrophe. Certains ont même demandé le remboursement par la suite. Nous retournions voir notre informateur secret car on pressentait que cette personne avait encore des choses à nous livrer. Voici quelque chose qui devrait vous intéresser. Il s'agit des comptes du LOASO organisé par Jacques Grimaud. Sur ces comptes, on peut différencier 2 méthodes de paiement. L'une en vert, étant les donateurs ayant effectué leur paiement directement sur le site Helloasso. La seconde en rouge, étant les ajouts déclaratifs. Car en effet, sur Helloasso, on peut monter la cagnotte artificiellement sur simple déclaration. Encore une fois, on peut constater que tout n'est que mensonge et magouille en tout genre. Le Helloasso n'est jamais monté à 108 026€, comme l'affirme Jacques Grimaud. Il n'a même pas dépassé les 60 000€. Et c'est également confirmé sur les relevés bancaires. D'ailleurs, comme indiqué par Helloasso dans un mail du 1er juillet 2020, suite à des signalements, nous avons pris la décision de suspendre le compte. Clôturer arbitrairement le compte d'une compagne en cours est très rare. Le motif doit être sérieux et légitime. Je repense alors à ça.
Il a été financé à hauteur de 106 000 euros. Mais il faut savoir qu'à cause des trolls et de leurs alliés, etc., deux individus, en fait, en réalité trois, parce qu'il y avait une complice, ont pu détourner 87 000 et quelques euros de cette somme. Vous vous imaginez bien qu'on a vérifié sur les comptes bancaires, car une telle somme, ça ne se volatilise pas comme ça. Comme vous vous en doutez, aucune trace de détournement d'argent. Tout a été dépensé par Jacques pour son train de vie personnel. D'ailleurs, on remarquera qu'il a reçu pas moins de 12 courriers de la banque pour chèques sans provision. Malgré près de 400 000 euros de rentrée d'argent sur le compte Elena en 5 ans, l'espèce collectée par les ventes de livrets, les aides sociales en tout genre, Jacques sera régulièrement découvert. Ce qui prouve deux choses. Jacques a une gestion calamiteuse de ses comptes bancaires. Aussitôt de l'argent sur le compte, aussitôt dépensé. Sinon, il n'aurait pas été autant découvert. Le couple Grimaud a un train de vie dispendieux. Je repense alors aux tenues de madame. Pour quelqu'un qui touche le RSA... On est au RSA. Nous avons contacté Chanel pour avoir une idée de prix sur une seule tenue portée par Vesna, soit entre 15 et 20 000 euros l'ensemble. Voilà où part l'argent des donateurs. À ce stade, je me mords les lèvres pour rester encore dans un ton neutre, tellement l'escroquerie est manifeste et odieuse. C'est pas l'argent. C'est que bon, on ne touche pas l'argent, on ne touche pas l'argent, on n'a même pas un sou, c'est pas grave. C'est du pipeau. Revenons maintenant sur le film censé révolutionner la Terre entière. Qu'en est-il ? Jacques n'a pas commis la même erreur qu'avec Patrice concernant le fameux script de 70 pages entièrement plagié. Il n'allait pas prendre le risque de se faire démasquer une seconde fois. Nous nous sommes procurés les documents envoyés par Jacques pour la réalisation du film LRDP2 au codeur en charge de mener à bien ce projet. Jugez par vous-même. Avec ça, débrouillez-vous pour faire un film, le plus nécessaire que l'histoire ait jamais connu. Ceci ressemble à une énorme blague. Et c'est peu dire. D'après nos sources, les informaticiens ont fait eux-mêmes des recherches pour essayer d'apporter du contenu à ce film censé révolutionner la Terre entière. La pression était grande, car non seulement Jacques ne leur donnait aucune révélation, aucun contenu, mais en plus, il continuait de crier haut et fort que l'RDP2 allait révolutionner la planète entière. Nous retournions voir une dernière fois notre informateur secret. Jetez un coup d'œil à ça. Vous allez découvrir la seule et unique version du film « La révélation des pyramides 2 ». Seul le générique de début est terminé. Ce film ne dure que 17 minutes, et il n'en existe aucune autre version. Lassés par les promesses de Jacques non tenues, les informaticiens ont fini par quitter le bateau avant qu'il ne coule. Aucune découverte.
Selon nos sources, Jacques ne s'impliquait absolument pas dans le projet de la réalisation du film. Sa seule obsession était de faire des teasers pour faire monter les caisses du Hello Asso. Et vu le train de vie du couple Gribon, on comprend pourquoi. J'ai calculé, on en est à 8 fois de pâtes par semaine et 4 fois de riz pour vous dire un petit peu l'économie générale des trucs. Le film, attendu pour 2017. La révélation des pyramides 2. Première question, on va y aller direct. C'est pour quand qu'on voit le film? Quand est-ce qu'il sort? À coup sûr dans l'année. Maintenant, en dire avec plus de précision, je pense que ça pourrait être au mois de septembre. Pourtant, le film n'arrivera jamais. Et les excuses sont nombreuses. À cause du film Star Wars, du documentaire K 2019, du président, du gouvernement, du graveur DVD bloqué en Chine, du Covid-19, de la bande passante. Tout y passe. Le pire dans tout ça, c'est que ça ne l'empêchera pas d'organiser les préventes d'un film qui n'existe pas. Tous les moyens sont bons pour récupérer de l'argent. Le 5 décembre 2019, Jacques Grimaud lance officiellement les préventes des DVD de la Révélation des Pyramides 2 pour le 7 avril 2020, soit le jour de l'anniversaire de Vesna. La façon de faire est très particulière, comme il le dit lui-même. Pour avoir le film, il faut adhérer à l'association pour 15€ et vous recevrez gratuitement le streaming. Autrement dit, votre paiement correspond uniquement à l'adhésion de l'association et vous recevrez en cadeau le film LRDP2. Résumons, le choix d'une plateforme de financement participative où il n'y a aucune obligation sur la réalisation du projet. Ou cette phrase assez révélatrice. En droit, un don n'est pas un contrat. Vous n'achetez pas un film, mais l'adhésion à l'ENA. Si on est certain que le film va sortir, pourquoi agir ainsi? Mais Jacques Grimaud ne s'arrête pas là. Obsédé à faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'ENA, il faisait de la promotion pour des livres sur son site internet. 30€ le livre. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que ces livres n'ont jamais été écrits. Ils n'existent donc pas. Voici donc pas loin de 10 ouvrages vendus sur le site editionlna.org qui ne sont jamais arrivés à leurs acquéreurs. On estime cette escroquerie présumée à environ 25 000€. Vendre quelque chose qui n'existe pas, cela ne vous rappelle rien? Mais Jacques Grimaud était déjà coutumier du fait depuis longtemps. Il a escroqué très Daniel avec son livre. Il a pris 3 000€, mais il n'a jamais remis de manuscrit. Même chose pour Top Secret. Top Secret l'appelle pour un hors-série spécial pyramide. Il prend 3 000€ et remet un manuscrit qui est en fait une copie d'un livre existant et pas écrit par lui. Cette enquête longue, minutieuse et argumentée nous amène à la conclusion suivante. Jacques n'a jamais eu l'intention de sortir LRDP2. Le film n'existe pas et n'existera jamais. Ce reportage est la propriété de toutes les victimes de Jacques. C'est pourquoi nous vous demandons de le partager et de le diffuser sur d'autres plateformes. Nous demandons également à Jacques de fournir immédiatement et sans délai la preuve de l'existence du film LRDP2. Donc, le deuxième film, il est déjà terminé depuis longtemps. 3 minutes inédites suffiraient. Une copie de la plainte du vol des 87 000€ du Hello Asso. Deux individus, en fait, en réalité trois, parce qu'il y avait une complice, ont pu détourner 87 000 et quelques euros de cette somme. Différentes factures de la production et de la réalisation de LRDP2. J'ai donc pris contact, et c'est pour ces raisons que j'ai pris contact, avec un vrai producteur, quelqu'un qui est connu dans le monde entier, qui a une célébrité dans le métier totalement incontournable, travaillé avec Ridley Scott, qui a travaillé avec Luc Besson, etc., des gens de cette tête. Il lui serait très rapide et très simple de fournir ces éléments, ce qui mettrait à mal l'ensemble de ce reportage. S'il ne le fait pas, vous saurez à quoi vous en tenir. On est revenu. Nous sommes à l'antenne. Voilà, donc c'était le film des mécontents
de LRDP2. Vous voyez qu'ils ont enquêté, ils sont allés loin. C'est très minutieux. Et pour en parler, nous recevons deux personnes qui sont liées à la genèse de ce film, et qui, c'est grâce à eux qu'on est au courant qu'il existait, qui sont Antoine Daoust et Alexis Seydoux. Est-ce que vous êtes là, messieurs? Je n'ai pas de retour de son de nos invités. Ça va se régler, hein. Tout à l'heure, ça marchait. Il n'y a pas de raison que ça ne marche plus. Alors, vous parlez? Vous nous parlez, Alexis et Antoine? Oui, je les vois qui nous parlent. Corentin, tu as dû toucher sur un truc qu'il fallait pas toucher. Bon, en attendant, parce que je vois des commentaires dans le chat qui critiquent les qualités techniques du film, rappelons qu'il s'agit d'une initiative qui est complètement bénévole, contrairement à certaines dont on parle dans le film, et qui est réalisée par des amateurs. Voilà. Donc, ne soyons pas trop difficiles. Je suis personnellement surtout impressionné par l'incroyable qualité du travail d'enquête. Oui, il y a des fautes de français, il y a des problèmes de son, etc., mais le job est fait et maintenant on est informé, et c'est en partie grâce donc à Alexis et Antoine. Antoine, tu es là? Je suis là, est-ce que vous m'entendez? Tout à fait, on t'entend. Ça y est. Et je crois qu'on te voit à l'image. Alors Antoine, toi tu es journaliste, tu as fondé Fact and Furious, qui est un site d'information. En deux mots, qui tu es, présente un peu ton travail, et après on verra Alexis, et après tu nous diras comment tu as été mêlé à cette affaire. Ben, en fait, alors mêlé, c'est un bien grand mot. Mais, avant d'en arriver là, toi, qu'est-ce que tu es, qu'on comprenne comment tu te situes? Alors moi, je suis à la base blogueur professionnel. Voilà, je suis auto-entrepreneur avec l'activité professionnelle de blogueur professionnel. Et avant de lancer Fact and Furious, j'avais déjà un blog d'information qui s'appelait Instant Critique. Et après, je me suis associé avec deux autres internautes pour fonder Fact and Furious, pour faire à la fois du fact-checking et de l'investigation. D'accord. Voilà. Et donc, Alexis, que les gens connaissent déjà, puisqu'on l'a reçu dans la nuit zététique, historien, membre de l'ALDA, A-L-D-H-H-A-A, tu peux nous en parler en deux mots, s'il te plaît? Absolument. D'abord, bonsoir à tous et merci de l'invitation. Donc, je suis historien archéologue et effectivement membre de l'ALDA, donc l'association qui essaie de défendre et de mettre en avant les bonnes informations en histoire de l'art, archéologie et histoire. Et donc, je fais partie de ce groupe-là depuis longtemps. C'est une association dont l'objectif réellement est d'informer sur tout ce qui est pseudo-archéologie, à la fois sur les méthodes, sur les contenus, hein, et donc notamment tout ce qui est autour de la révolution des pyramides et des autres travaux qui sont faits dans le même esprit. Et donc toi, tu étais au courant que ce film se préparait? Tu étais en contact avec les gens qui sont derrière? Alors on ne va pas dire qui c'est anonyme, c'est des gens qui méritent qu'on respecte leur désir d'anonymat, vu qu'ils donnent les sources. C'est intéressant de les vérifier. Comment es-tu entré en contact avec eux, Alexis? Alors, en fait, ça s'est passé en plusieurs temps. Ceux qui ont travaillé sur ce film avaient monté une page Facebook, et sur la page Facebook, j'avais proposé d'apporter mon aide sur les questions d'histoire et d'archéologie, sur le contenu de l'RDP. Petit à petit, il s'est avéré que... bon, d'abord, ils m'ont répondu très gentiment, et puis ensuite, il s'est avéré qu'ils avaient besoin effectivement de cette aide, à la fois sur les questions de contenu, et puis sur d'autres questions d'ordre factuel qui sont présentés dans le film. Et bon, comme je suis chercheur et que je connais quelques moyens classiques de recherche, eh bien, j'ai pu les aider en leur apportant un certain nombre d'éléments, mais le travail est vraiment d'eux, hein. Moi, je n'ai fait qu'à apporter une petite pierre. Tu as participé à leur enquête un peu. D'accord, très bien. À leur enquête, et voilà. Et donc Antoine, toi de ton côté, pareil, tu étais en contact avec les auteurs du film. Comment ça s'est fait? En fait, c'était l'année dernière. C'était toi, sous le compte de Mandac ou de La Tronche Chambier, tu avais publié un tweet justement qui renvoyait vers cette page des mécontents. Et je dis, tiens, Grimaud refait parler de lui. J'étais pas du tout au courant d'LRDP2. Enfin, je savais pas qu'il y avait un deuxième film qui se préparait. Donc, je suis allé voir un peu par curiosité. Et donc, la page des mécontents d'LRDP. Commençait à présenter des signes de fragilité concernant le documentaire, le deuxième volet d'LRDP.
Et il publiait régulièrement des preuves, des images, des photos, des captures, en gros, comme quoi l'RDP2 ne sortira jamais. Donc ouais. ça m'a plutôt intrigué. J'ai pris contact avec les administrateurs d'Apage, et puis je leur ai demandé de me faire un topo. Je leur ai dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils me racontent un peu tout le déroulé. Alors, à cette époque-là, on était encore au stade d'Elo Asso. Ils n'avaient pas encore cumulé toutes les preuves hein, qu'ils ont montrées aujourd'hui dans, oui. dans le documentaire. Mais ils en avaient suffisamment pour lever un doute sur l'éventualité d'une... pour lever, enfin, ou ouais, s'ils pourraient mettre quand même de grosses réserves sur RDP2. Alors maintenant, donc, pareil, je laisse finir l'explication, pardon. Ouais, ils m'ont présenté un peu toutes les preuves, j'ai analysé, et puis j'ai essayé de contacter. Alors, il faut que je continue ou pas tout le procédé? Bah, en deux mots, là, pour la prise de contact. Et ah, bah, c'est, bah, en fait, c'est pas. Hein, j'ai pris. C'est parti d'un tweet de la Tronche en Biais. J'ai pris contact avec la page avec les administrateurs de la page des mécontents. Et c'est comme ça qu'a démarré l'enquête de mon côté. D'accord. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'on ferait confiance à ce film? Parce que, bon, on parle de Grimaud et on parle de mythomanie. Les gens qui l'accusent pourraient être coupables aussi. Pour quelle raison est-ce que ce film serait fiable? Pas qui veut répondre. Antoine. Alexis. Bah, je vais commencer. Alors, il est fiable parce que d'abord, il y a eu un très beau, très gros travail d'enquête, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pu un petit peu participer, donc j'ai pu vérifier ce travail d'enquête, s'appuyant sur des témoignages, comme on les a entendus, mais également sur des documents factuels, notamment retrouver les comptes rendus des assemblées générales d'Equanim, hein, qui sont extrêmement, extrêmement parlants, ouais. ou encore l'ensemble des procès devant le tribunal de commerce de Paris, le tribunal de grande instance ou la cour d'appel. Et tout ça a permis de montrer qu'ils étaient effectivement dans un travail qui était factuel, et qui était sourcé. Et je pense que c'est les deux éléments qui permettent de faire confiance à ce travail. Est-ce qu'on peut avoir accès à leurs sources, justement? Est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut aller vérifier les comptes rendus, les pièces qui sont fournies dans le film, ou ça n'a pas été fait? J'ai vu ces pièces, hein, je les ai oui, plus que vues. Tu les as vues, mais d'accord, mais vous dire, sur mon ordinateur, c'est simplement, je les ai. Moi, je les ai, évidemment, je les mets à disposition. Hein. Il faut savoir que ce sont des pièces qui sont disponibles au public, hein. il n'y a rien de secret ou de caché, hein, puisque en droit français, un certain nombre de documents doivent être publics, notamment les assemblées générales des sociétés et les comptes rendus des procès. Donc, moi, ces pièces, je les ai sur mon ordinateur et j'ai un fichier qui les recense toutes et je les mets à disposition à tous ceux qui veulent vérifier. D'accord. Antoine ? Ouais, c'est ça. En fait, après, toutes les pièces ne sont pas divulgables. Il faut comprendre aussi qu'il y a une enquête, maintenant une enquête judiciaire voilà. qui est en cours. Donc, tout n'est pas publiable encore. Maintenant, nous, avec Alexis, on a pu y avoir accès. L'année dernière, moi, quand j'ai démarré l'enquête, il n'y avait pas encore tous les témoignages. Ils se sont fait connaître très, très tardivement. Les gens hésitaient à parler, ils avaient peur. Donc, il a fallu que les premiers articles sortent, notamment celui de Paul Conge, hein, qui a été aussi un des premiers à jeter une pierre dans la mare de Jacques Dumont. Ouais. Que c'est là que voilà, des landes ont commencé à se délier et qu'il y avait des témoignages pour corroborer les preuves qu'avaient accumulées les administrateurs de la page, des mécontents. Et donc, vous m'avez dit, quand on a parlé après l'émission, que les mécontents ont envoyé les infos qu'ils ont récoltées, ils ont fait un dossier, ils l'ont envoyé au parquet de Paris, au fisc, au commissariat de Paris 13 et à la CAF, donc qui sont les organismes qui peuvent éventuellement agir contre Jacques Grimaud. Et il y a une enquête qui a été ouverte, donc pour quel motif? Alors c'était l'enquête a été ouverte par le parquet de Paris le 1er juin 2021 pour escroquerie aggravée. Est-ce qu'on peut en dire plus sur après on va revenir un peu sur le film, mais est-ce qu'on peut en dire plus sur l'état actuel de l'enquête? Il est poursuivi, Grimaud. Voilà, il est poursuivi. Il y a une enquête qui est ouverte. Donc des auditions ont débuté, c'est-à-dire qu'ils ont commencé par des individus qui sont liés à l'association. Maintenant, des premiers retours qu'on en a eu, les enquêteurs ont déjà tout. C'est-à-dire que les simples auditions ne viennent que pour confirmer les preuves qui sont déjà en leur possession. D'accord. Alors,
on en revient au film. Pourquoi ces gens que je ne connais pas, j'ai pas voulu vous poser la question, comme ça, il n'y a pas de gaffe de ma part, c'est des gens anonymes que je ne connais pas, pourquoi ont-ils fait ce film? Parce que au départ, c'est des gens qui adhèrent plus ou moins au discours, qui veulent qu'il y ait une suite, qui attendent un LADP2, qui sont dans les réseaux de Grimaud. Et les années passent, et à un moment donné, ils font ce film. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils fassent ce film? Ouais. Déjà, je pense que l'ouverture d'une enquête, l'ouverture de l'enquête, je pense que ça a eu un déclic. Et puis, comme tu viens de le dire, il y a des gens qui continuent à penser que le film va sortir. Donc, je pense qu'ils ont eu, ils ont, avec tous les éléments qu'ils ont, pour eux, ils se sont dit que c'était un devoir d'informer les gens sur qui étaient vraiment les personnes qui leur demandaient, qui continuaient à leur demander de l'argent pour sortir un film, probablement jamais de jour. Et Alexis, tu m'avais dit qui avait choqué le plus, en fait, ces gens-là, c'était... Vas-y. En fait, ce sont des gens qui ont vu LRDP1, qui ont été séduits par les thèses de LRDP1 et qui attendaient LRDP2. Et donc, qui étaient prêts vraiment à soutenir ce projet, pensant qu'il y avait effectivement une révélation importante, et qui donc ont financé. Et ce qui les a déçus, c'est que le film n'est jamais sorti. Et qu'il devait sortir en 2017, rien, et puis il a été repoussé, que les explications données par Jacques Grimaud étaient de plus en plus ubuesques, enfin, entre la bande passante, le Covid, le gars retenu pour graver des CD en Chine, enfin des DVD en Chine, alors que bon, on grave partout en Europe, enfin, vraiment des choses de plus en plus ubuesques. Donc je pense que, de leur part, il y a eu un énervement contre... Cette tentative de sortir LRDP2, et ils se sont sentis floués. Et c'est en se sentant floués que ces personnes se sont réunies pour faire cette enquête. Quelle indignité. Alors, pour précision, on va parler de ça juste là, mais je dis à ceux qui nous suivent, le risque que la live soit strikée n'est pas négligeable. Le contenu de l'émission va énerver fortement des gens autour de Grimaud. Ils vont essayer de le faire surimer, donc ouais. N'hésitez pas à enregistrer tout ça. Le film diffusé n'est pas notre propriété, donc si d'autres vulgarisateurs veulent diffuser, il faudrait voir Alexis et Antoine, vous fassiez les intermédiaires, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Ils l'ont fait pour qu'on le voit, donc on n'a pas vocation, nous, à notre propriétaire. On le diffuse en première, on est très, très heureux de le faire, mais voilà. Et justement, que résonne Strédande. Qu'est-ce qu'on risque parce que là, posons carte sur table. Grimaud va nous accuser de différentes choses, va vouloir faire interdire cette vidéo. Qu'est-ce qu'on risque, nous, Tronchambier, qu'est-ce que risquent les auteurs par rapport à la diffusion de ce film? Des publications Facebook scatologiques. C'est vrai qu'on va avoir des insultes, mais d'un point de vue poursuite éventuelle, on s'est posé la question, hein, on en a parlé ensemble. Donc désamorçons ça, qu'est-ce qu'on risque et qu'est-ce qu'on ne risque pas? Ok. D'abord, première chose, Grimaud est un grand adepte de l'accusation et de la menace de procès. Mais il passe contre pas plein beaucoup de personnes. À l'acte. Voilà, c'est ça. Par exemple, j'avais travaillé sur les plagiats de Grimaud, j'ai donc publié un article. J'ai jamais eu de procès, alors que si je m'étais trompé, au bout de 3 mois, il m'aurait critiqué il m'aurait attaqué pour diffamation. Donc je pense qu'en termes de procès, il n'y a pas beaucoup de risques, parce que en cas de procès, il est obligé d'apporter des preuves. Mais ça, Antoine connaît mieux le côté de la diffamation. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas tellement de risques. En revanche, le risque de strike, oui, il va probablement le tenter parce que il est évident que ce qui est divulgué dans ce film ne va pas vraiment lui plaire. Enfin, je pense qu'il y a même risque de ne pas très bien dormir cette nuit. Oui, vu qu'il nous écoute, on lui souhaite de bien dormir quand même, hein, mais... on n'est pas là pour le nuire à sa santé, hein, mais on veut informer les gens. Donc, en termes de risque, parce que dans le film, il est qualifié de manipulateur, d'escroc, de gourou. C'est gênant, ça. On peut être attaqué lorsqu'on dit ça ou pas, Antoine? Légalement, oui. On peut être attaqué, mais être condamné, c'est autre chose. Ouais. Dès lors qu'une publication est faite sur une personne, la personne peut porter plainte pour diffamation.
La diffamation, c'est une procédure vraiment très particulière. Dès lors que la personne se porte partie civile, qui a saisi le procureur, le dossier sera systématiquement instruit. Tout à fait. D'ailleurs, je suis poursuivi pour ça et je ferai une vidéo pour vous parler de l'affaire rocambolesque, mais qui n'a rien à voir avec Grimaud. Pardonnez-moi. Je t'ai coupé parce que je suis mal poli. Pardon. Bien sûr. Donc après, la personne sera automatiquement de fait mise en examen. Oui. Mais après, rien ne dit qu'elle sera condamnée. Et dans 95-96% des cas, ça aboutit sur des non-lieux. Enfin, c'est des choses. Il y a deux éléments vraiment très importants que retiennent les juges pour la diffamation. Donc c'est l'exception de vérité. Ouais, l'exception de vérité qui est très importante. Si éventuellement tu peux apporter toutes les preuves de ce que tu avances, c'est pris en compte. Mais ça doit faire l'objet d'une enquête séparée, donc ça prend un peu plus de temps, et puis tous les juges ne retiennent pas forcément cet aspect-là. Et ensuite, la bonne foi. Oui. Bonne foi, c'est-à-dire, il faut que les propos tenus servent le débat public. S'il est avéré que finalement, Jacques Grimaud a bien détourné de l'argent de son association et que des gens ont été lésés à cause de cela. Tout à fait. Ça a permis de peut-être empêcher d'autres personnes d'être arnaquées. Donc, le juge peut prendre en considération. C'est pas un film qui est là pour détruire une personne. C'est un film qui est là pour dire attention, il y a ça, ne vous faites pas avoir. Et attention, la justice, s'il vous plaît, faites quelque chose. C'est pour informer, c'est ça, c'est informationnel. C'est informationnel. Alors certes, il y a des... Après, on peut toujours chipoter sur certaines... sur l'emploi de certains mots, mais il n'en reste pas moins que tout ce qui est avancé dans ce film est sourcé. Bon. Vlad est en train de mourir à côté de moi, il a un rhume. Vous êtes en train d'assister à ma mort en il direct. Il est venu le contaminer. Le second problème potentiel, c'est à qui appartiennent les images. On met des extraits, on met des photos, il y a même un extrait de... ne casse pas tout. Ça y est, je perds le contrôle. De RDP2. Est-ce que là-dessus, il y a un risque qu'on se fasse épingler par YouTube, par exemple? Par YouTube, si les images ne sont pas déjà présentes sur la plateforme, il n'y a pas de raison. A priori. En revanche, pour ce qui est de la propriété intellectuelle, là c'est plus un documentaire qui fait appel à des extraits, donc on peut toujours faire valoir le droit à court citation. Ça va aussi bien pour l'écriture que pour les images ou pour la musique. Okay. Bon, donc on peut se faire en gros on a pris ça en considération, on devrait être à l'abri d'un strike. Il n'y a pas de raison que YouTube nous strike, donc YouTube, si vous nous écoutez, ne nous strikez pas, mais comme tout ça est très opaque, pas autant que Facebook, mais presque, c'est compliqué parfois d'être sûr. Donc, faites une copie de cette vidéo. Revenons aux gens qui... Pardon, Vlad. Dans l'absolu, le fait que faire supprimer une vidéo, ce soit facile, c'est pas obligatoirement une mauvaise chose, quoi. Je veux dire, on s'en plaint du fait que ce soit aussi facile de faire sauter une vidéo, mais c'est pour la sécurité des individus. Donc... L'ennui, c'est l'opacité et qui prend la décision, comment. Et bien ça, sûr. J'aimerais bien que sûr. Ce soit transparent et démocratique, mais bon, c'est un monde de différent. De toute façon, YouTube n'a pas vocation à supprimer des vidéos qui ne sont pas déjà sur sa plateforme. Oui, tout à fait. Revenons aux auteurs. Donc, je n'ai pas leur nom, ils sont plusieurs. C'est quoi leur profil? Et pourquoi est-ce qu'ils veulent rester anonymes? Est-ce qu'il y a vraiment un risque pour eux? Après tout, ils pourraient très bien assumer le fait d'avoir cru, d'avoir financé ce qu'ils ont financé, et de dire maintenant stop, non. Ils veulent rester anonymes. Je respecte, mais est-ce que vous savez pourquoi? L'anonymat, elle n'est pas de vouloir se dévoiler comme ayant cru et aujourd'hui voulant se défiler d'avoir cru à quelque chose. L'anonymat, il est beaucoup plus parce que ce sont des gens qui sont des gens qui ont une vie complète, qui n'ont pas envie, oui bien sûr, mais qui n'ont pas vocation à être des chercheurs ou des bunkers, hein, qui ont vocation à avoir leur vie et qui préfèrent se protéger notamment des attaques de Grimaud et de son groupe, hein, parce que ce sont des gens qui ont approché Grimaud et son groupe, et donc qui préfèrent rester dans l'anonymat pour justement ne pas avoir à subir. Déjà, ils ont subi le fait de s'être faire voler de l'argent, avoir à subir en plus un certain nombre de mauvais traitements médiatiques, hein, de la part de Grimaud qui
coutumier du fait d'envoyer des lettres de menace répétées et autres. Je pense que c'est ça le principal besoin. D'accord. Mais en termes de profil, on a affaire à des gens, on a parlé un peu de leur motivation, mais typiquement, par exemple, est-ce que c'est des gens qui continuent de croire que la version officielle est un mensonge, que les pyramides contiennent des secrets mathématiques en relation avec l'équateur penché? Est-ce que, je veux pas, ils sont pas là, on va pas parler pour eux, mais en gros, par rapport à ce que vous savez, est-ce que c'est des gens qui ont pris du recul par rapport au contenu ou uniquement par rapport aux messagers? Alors, je répondrai moi rapidement à cette question. Je suis pas, à aucun moment, je suis rentré dans le débat d'opinion avec eux. Moi, la seule chose qui m'intéressait, c'était les faits, les sources. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec Jacques Grimaud et LRDP2 et on n'est pas systématiquement entré dans le détail. On a beaucoup échangé, hein, mais c'était essentiellement sur l'affaire en elle-même. Mais j'ai pas forcément cherché à en savoir plus, enfin à faire des débats d'opinion avec eux. Donc, alors, éventuellement, je lance le message. Moi, ça m'intéresse d'échanger. Pas maintenant, mais dans les prochains mois. Moi, j'ai un peu débattu avec eux. C'est des gens qui, au départ, ont cru le message et le messager étant Jacques Grimaud, le message étant LRDP1, puis se sont détachés du messager. Pour certains, ils pensent encore que tout ou partie du message est fonctionnel. Enfin, il y a quelque chose dedans. Pour d'autres, non. Pour d'autres, effectivement, ils se sont rendus compte qu'en réalité, le message était complètement vide et ils s'en sont détachés. Mais ce n'est pas leur... parfois, ils sont encore dans l'idée que les hypothèses mises en avant dans l'RDP1 sont valables tout ou partie. Parce que bon, il faut aussi qu'on fasse notre autocritique. Nous, les zététiciens, alors pas forcément nous individuellement, mais les gens qui sont du côté sceptique et qui vont aller critiquer les croyances, on n'est pas toujours très tendre. Et on le regrette, hein, on essaye d'inculquer des meilleures pratiques aux gens qui nous suivent. Parfois, on est vraiment méchant avec les gens qui croient des choses qu'on va qualifier de farfelues. Et je me demande quelle est l'image que ces gens-là ont de nous, parce que ce qui m'a étonné, moi, c'est que quand, je ne sais plus si c'est Antoine ou Alexis, je crois que c'est Antoine qui m'en a parlé en premier, et m'a évoqué l'idée de... Il y avait un film, est-ce que tu veux qu'on le diffuse sur la tronche en biais? Moi, ça m'a étonné que les gens qui, a priori, n'étaient pas de notre bord, entre guillemets, nous fassent confiance ou veuillent collaborer avec nous pour nous donner leur travail. Donc, qu'est-ce qu'ils pensent de la tronche en biais? Qu'est-ce qu'ils pensent des autres créateurs de contenu qui ont critiqué Irna, Faustine, etc.? Et qu'est-ce qu'ils pensent de la communauté des sceptiques de manière générale? Est-ce que vous avez cette info? J'ai pas totalement l'info, c'est difficile à dire hein, par rapport à ça. Je pense que pour certains, ils ont, en ayant vu la critique qui était faite au film LRDP1 et au personnage de Jacques Grimaud, notamment lorsqu'il est passé à la proche en biais en live, s'en sont détachés et ont trouvé le travail des sceptiques intéressant. Parfois, peut-être, hein, je connais pas l'avis de tout le monde, parfois un peu trop dur, hein, et effectivement, pour certains, avec des arguments qui sont peut-être pas trop valables ou trop forts. Pour d'autres, j'ai aucune idée de leur position par rapport aux sceptiques et ou à ceux qui cherchent effectivement à démonter ou à débunker ce type de position, parce que j'ai pas eu plus de débat que ça, mais je pense que s'ils se sont confiés, ils se sont acceptés d'aller vers la tronche en biais et de donner leur film, c'est qu'ils avaient le sentiment que c'était là où l'écoute serait la meilleure et où la diffusion aurait le plus de poids. Ouais. Antoine, là-dessus? C'est ça, ouais, c'est ça. En fait, par contre, il y a eu un point commun que j'ai pu noter, c'était le live que tu as fait justement avec Jacques Grimaud, qui semble avoir mis une petite graine dans leur esprit aussi, hein, à ce moment-là. On sent qu'il y a eu un moment de bascule. Ouais. On n'est pas forcément entré dans les détails, mais des gens ont commencé un peu à se poser des questions déjà quand tu as fait le live avec Grimaud. Ouais. Où on commençait à s'apercevoir que l'escroc qui peut être. Mais non, ouais, j'ai assez peu échangé avec eux avec ça. C'est, en fait, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup ont peur. Quand je suis arrivé pour commencer l'enquête, on essayait de recueillir des témoignages. Ça n'était pas facile et c'était toujours la même version. On a peur. Grimaud est capable de ci, Grimaud est capable alors, de ça. Alors, est capable de quoi? C'est des pressions.
à les entendre, c'était voilà, dépression. Ils ont mon nom, ils ont mon adresse, voilà, et ça peut être une menace essentiellement verbale. Ou, parce que Grimaud, voilà. Et on l'a vu plusieurs fois, hein, quand les gens quittent le navire, il les injurie devant tout le monde, donc il les humilie devant tout le monde. Au-delà de ça, je ne suis pas au courant qu'il ait fait des choses pires, mais c'est déjà pénible. Et ça suffit à ce que les gens se disent non, j'ai pas envie d'être traité comme ça, donc je me tais. Bah, bien sûr, et puis surtout. Sa réaction, rien qu'avec des personnes qui ont contribué au film et qui ont réclamé leur argent en retour. Bien sûr, ouais. On a eu des témoignages, des captures d'écran, de discussions de Jacques Grimaud avec des personnes qui voulaient récupérer leur argent. C'était complètement lunaire. Il est menacé de les traîner au tribunal, toujours des menaces juridiques, systématiquement. Okay. Il faut savoir aussi que Jacques Grimaud a réussi, en tout cas dans le cercle très proche, hein, de se faire passer aussi pour quelqu'un qui fait de l'alchimie et de la magie noire. Ah. Et donc, certains y croient. Alors, on a des témoignages, hein, comme quoi, notamment, sur l'alchimie, il achetait et revendait des produits spécifiques à l'alchimie, l'antimoine, des choses comme ça. Bon, mais il s'était aussi fait passer dans des cercles comme quelqu'un qui avait des connaissances et compétences en magie noire. Donc, certains ont eu peur de ces conséquences. Alors, je ne sais pas si c'est ceux qui ont participé à ce travail, mais Jacques Grimaud a cette tendance à vraiment, et ça avait été montré en partie, oui, par Paul Conge, lancer le chaud et le froid et avoir une espèce de pouvoir ou se donner un pouvoir maléfique particulier. Ça rappelle dans le film, l'extrait où il se vante d'avoir cassé la tête à 5 personnes qui l'a cassé, il se vante d'être capable de faire du mal aux gens. Voilà. Enfin, ça revient aussi à son passé militaire considérable, ouais. Bon, où il dit qu'il avait 25 ans et demi dans des choses dont il ne peut pas parler. Alors bon, quand on connaît un tout petit peu les affaires militaires, on voit tout de suite que c'est du vent, mais ça fait peur à des gens. En se disant, oh, mais peut-être qu'il connaît des gens dans les services secrets ou des choses, ouais, comme ça. Alors bon, on arrête tout de suite. Hein. Il a été au 8e régiment de transmission du Mont-Valérien, point la ligne. Il a été dans la musique militaire, il a fait un service militaire comme toute sa génération, et ça s'arrête là. Vous savez ce qu'on dit là? Que le mot militaire, c'est un mot qui sert à retirer le sens de ce qu'il y a à côté, parce que la cuisine militaire n'est pas la cuisine, et la musique militaire n'est pas de la musique. La justice militaire. Et la justice militaire n'est pas de la justice. Voilà. Vlad, est-ce qu'on a des remarques ou des questions pertinentes de la part du chat, s'il te plaît, avant qu'on poursuive? Il y a énormément d'excitation autour du procès de Grimaud. Oui. Beaucoup. Beaucoup de ravissement. Alors sachez que, sans vous en dire plus, il y a l'affaire d'escroquerie aggravée, mais il y a également des poursuites pour diffamation et injures, puisque Grimaud s'est comporté extrêmement mal avec un certain nombre de personnes. Et là-dessus, c'est pareil, de sources sûres, il a été entendu, hein, par la police. Donc, on sait de sources sûres qu'il a été entendu dans une affaire pour harcèlement. Voilà. Et donc sachez que si le ton de Grimaud a changé dans ses publications, il écrit moins qu'avant et il est moins ordurier. Je crois que c'est parce qu'en fait, il a fini par apprendre quelque chose à son âge. Oui, il a essayé dans sa dernière publication à notre endroit d'être, D'être moins ordurier. Oui. Est-ce que je vous lis maintenant? Il y a eu deux réactions de sa part sur Facebook, parce que c'est important que les personnes aient un droit de réponse. Donc, je dirais que si Jacques Grimaud veut avoir une réponse, on mettra en description ou en commentaire épinglé le texte de sa réponse. Il faut qu'il ait le droit de se défendre, hein, on ne veut pas l'accabler. Et en général, quand lui veut se défendre, il s'enfonce. Donc c'est avec grand plaisir qu'on lui donnera l'occasion. Petite remarque, énormément de gens dans le chat se plaignent qu'on parle encore de Grimaud et demandent pourquoi on parle encore de Grimaud en disant que le mec s'est torpillé tout seul. En fait, malheureusement, vous ne vous rendez pas compte que là, c'est un biais de bulle de filtre. Bien sûr que pour nous, Grimaud, il est grillé depuis le début, mais il s'en sort encore très très bien. Donc oui, on continue à en parler parce que malheureusement, il faut continuer notre à en parler. Notre émission date de 2016, il a continué à palper des dizaines de milliers d'euros pendant des années et des années. Et c'est devenu un cas d'école, c'est-à-dire que nous, c'est aussi pour ça que quand les auteurs se tournent vers nous pour qu'on diffuse, on ne va pas leur dire non. Grimaud, on s'y est attaqué en 2016, c'est un dossier qu'on veut suivre, on ira, on va continuer, s'il y a condamnation ou pas, à le suivre. Ce n'est pas un sujet qui me passionne personnellement tant que ça. Non, mais nous aussi, on a un peu l'impression d'avoir fait le tour, quoi. Mais c'est un bon cas d'école, et comme ça, maintenant, on peut illustrer différentes choses, et notamment là, on est à l'étape où les gens qui l'ont suivi et qui étaient agacés par ce qu'on fait... font appel à nous pour diffuser leur travail de critique de Grimaud. Je trouve que c'est vraiment ça raconte une histoire intéressante, et donc on va continuer. Si ça vous plaît pas, vous zappez, on aura d'autres émissions
Et, sur différents sujets. Et comme d'habitude, big up aux déconvertis, parce que c'est facile pour nous, qui depuis le début trouvions que ces idées étaient rocambolesques, pour des personnes qui y croyaient, les mécanismes mentaux mis en œuvre pour la déconversion, la déconstruction, c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus riche. Bravo. Oui. C'est une belle preuve de remise en question. Sachez qu'on a beaucoup de respect pour les gens qui étaient tenants croyants et qui passent du côté des sceptiques... critique, etc. Alexis, tu avais agité ton bras, tu voulais prendre la parole. Je voulais juste dire qu'on en reparlera peut-être après, mais LADP1 fait date hein, dans la pyramidologie. Hein. Je pense qu'on avait dit qu'on en parlerait un petit peu après, mais je pense qu'il faudra revenir sur cette question-là, parce que oui. Au-delà du personnage de Grimaud, de déconstruire le personnage de Grimaud, c'est aussi déconstruire en grande partie les théories qu'il a mis en avant et dont il n'a été que le porteur. Mais je pense qu'on en reparlera après. Ce sera la dernière partie. Donc je voulais quand même rapidement... Alexis, je rajouterai après un truc. Donc sur son Facebook, il a réagi. C'était après la diffusion de la bande-annonce de cette vidéo aussi, où à côté du Mont Scaro, je me disais qu'on allait revenir sur la Nouvelle Atlantide, etc. Et donc Grimaud, alors il écrit dans un style, vous n'allez pas tout comprendre, moi non plus. Il parle de trucs, mais à la fin, on comprend mieux si pas. LRDP2, présentation au Café de Paris, partie 2 du 8 août 2021. Enfin, il présente ses conférences. Il dit conférence volée et diffusée sur FB par FB. Ça, c'est Faustine Boulet. C'est-à-dire la team Gollum. Donc, en gros, il se plaint que ces conférences qu'il donne et qui sont payantes aient été diffusées. J'ai pas suivi ça de près, donc je ne sais pas. Mais je sais qu'Alexis les a regardées, les conférences. On pourra en parler vite fait à la fin. Donc, connu aussi sous le nom de l'ALDA, donc l'association dont Alexis est membre. Où les mécontents du H, c'est seulement pour Hello Asso, de JG, ça c'est lui, et de Elena, la Nouvelle Atlantide. Une plainte a été déposée pour vol auprès de Facebook. Dossier en cours d'instruction. Le fait qu'AS, ça c'est toi Alexis, autre membre fondateur de l'ADA et des mécontents, tu es membre fondateur des mécontents, sache-le, et lui aussi membre de la team Gollum, participe au lynchage du 5 octobre, c'est maintenant, avec Thomas Durand, lui aussi impliqué et très proche collaborateur de cette bande très organisée ou association de malfaiteurs. Là, attention, diffamation, Jacques. Ça a un sens. Ne joue pas en leur faveur. D'autant qu'un dossier est en cours d'instruction sur Amazon, Facebook Amazon, la justice est en marche, pour les campagnes de dénigrement et de diffamation qui mènent cet individu. Mais que pouvez-vous attendre de la part de vulgaires chômeurs, youtubeurs, blogueur, modérateur et voleur avec un niveau de 3e. Pour avoir signé plusieurs de tes contrats, tu n'es pas exactement un chômeur. Non, je ne suis pas chômeur et j'ai un doctorat. Il est aisé de juger autrui derrière un écran masqué par l'anonymat d'un avatar, Chantal au hasard. Je suppose qu'il a dû recevoir un commentaire méchant sur un de ses livres sur Amazon et qu'il n'a pas digéré. C'est pas gentil. J'en ai aussi, hein. Notamment de ma part, effectivement. Mais tu as signé Chantal ? J'ai lu les livres. Non, j'ai pas signé Chantal, j'ai signé mon nom. J'ai signé mon nom. Mais Chantal est un nom qui tirait très bien aussi, sache-le. Oui, tout te va. Bon, je prendrai Chantal un jour, s'il le faut. Alors, j'ai fini. Voilà. Ou en direct dans un live avec des conspirateurs acquis à sa cause. Devant un juge et un tribunal, c'est une autre histoire, monsieur Antoine Daoust, ça c'est pour toi. Loin des leçons de conduite de la pseudo-zététique, qui ferait mieux de l'appliquer à eux-mêmes, zététicos, qui cherchent, curieux, ici vous trouverez un condensé de vraie science. Donc il parle de ces conférences. La zététique consiste à questionner les raisons pour lesquelles nous pensons que quelque chose est vrai, et non fabriquer du faux à partir de faux arguments et de fausses qualifications. Je souscris à cette phrase, Jacques. Inscrivez-vous à un cours de poterie et vous pourrez vous prétendre potier. Je sais pas. Accédez au libre arbitre et aux bases de la prise de parole publique. Prenez votre destin en main. C'était la réponse de Jacques à l'annonce de ce live de ce soir. On ne va pas épiloguer là-dessus. Je fais, comme on n'a pas trop de parties, je fais une courte pub, page pub maintenant pour vous dire que est sorti le livre, la version livre de Evidence Based Bonne Humeur de notre ami Romain. Qui a donc une page Facebook, je crois, et même un blog là-dessus. Et donc ce livre reprend les bandes dessinées. Alors comme c'est un format particulier, ces bandes dessinées souvent adaptées pour qu'on scrolle sur un téléphone, il fallait un livre qui a un format intéressant. Donc ce livre-là, je l'ai eu moi à Toulouse, lorsqu'on a rencontré Romain, Vlad et moi, en vrai, pour la première fois. Et donc vous pouvez l'acquérir, il coûte 18 euros. C'est de qualité. Je pense que c'est en série limitée.
Donc renseignez-vous auprès de son blog, hein, Evidence Based Bonne Humeur. Il est sorti exprès pour les rencontres de Toulouse de septembre dernier, et c'est vachement cool. Et là, je vais prendre deux minutes, pardonnez-moi, mais ça n'a rien à voir, mais je vais vous lire un truc. J'ai reçu, et j'ai rien demandé, un service de presse. Alors un service de presse, c'est lorsqu'un éditeur ou un auteur dit à son éditeur « Envoie mon livre à telle personne pour qu'elle en dise du bien ». Et moi, j'ai reçu, je l'ai ouvert tout à l'heure dans la boîte aux lettres, hein, le livre de Véronique Lévy, « Cœur, chair, le cœur de l'Église est une femme ». Et donc, Véronique Lévy, au cas où vous ne sauriez pas qui c'est, donc c'est les éditions Artege. Et s'il vous plaît, édition Artege, faites attention à qui vous envoyez le service de presse, parce que ça coûte de l'argent d'envoyer ça. « Est une mystique catholique française, auteur d'ouvrages spirituels et religieux ». Et donc, je vous lis la description de l'éditeur de ce livre, avec le ton qui va avec. Bon, je m'excuse par avance, j'en veux pas à cette dame, mais il fallait pas me l'envoyer à moi, vous avez la rançon de ce que vous méritez. Le livre s'ouvre comme un roman sur une chambre d'adolescente vide et froide, toute blanche. Très vite, la chute, une effraction de l'innocence, survenue dans la toute petite enfance, hante la chair et la mémoire du corps. Alors, c'est un peu glauque, hein, désolé. Là est la genèse d'une quête qui s'ouvrira sur le mystère de la femme. Par-delà les images contemporaines qui morcellent son corps et l'enfermement dans des fonctions, des tabous ou des masques, par-delà les fantasmes et les contes, ce mystère prend corps dans les saintes écritures. Loin des clichés qui imposent une femme prisonnière des règles obsessionnelles ou d'un patriarcat jaloux de son pouvoir, la femme y révèle au contraire sa liberté irréductible. Le « oui » de la Vierge en est l'alpha et l'oméga. Car au regard de Dieu, la femme est l'accomplissement de son œuvre, du sixième jour de la création jusqu'au visage de la femme de l'Apocalypse enlevée de soleil, dès l'Éden, juste après la chute, une promesse inouïe est faite à la femme. Du paradis perdu à la figure de la Vierge Marie, Véronique Lévy déroule cette tunique du salut et de la rédemption tissée par Dieu seul et dont la femme est la gardienne. Véronique Lévy ose l'affirmer à travers une écriture flamboyante au style inspiré et prophétique. Si Ève est le couronnement d'Adam, Marie est la vocation de l'Église, car dans son cœur, C-H-O-U-R, jeu de mots, car dans son cœur de pierre, et sous la chair de Pierre, le prénom, bat un cœur de chair, le cœur d'une femme dont le oui a ouvert à l'humanité tout entière la porte de la grâce et de l'éternité. Et vice-versa. Bon, il faut vraiment choisir à qui vous envoyez les livres. Ne vous recommande pas la lecture. Je ne sais pas qui est ça, il était adorable, mais il ne fallait pas. Bien, donc nous sommes en train de parler de LRDP2 et qui n'est pas arrivé, de l'affaire qui est en cours, Vled. Ah mais non, mais je suis très surpris que tu ne mentionnes pas la dernière. Il y a eu une deuxième publication. Alors rapidement, qu'est-ce qu'il a dit? Mais écoute, alors il apparaît évident que toujours la prose de notre ami. Donc c'est Jacques sur Facebook. Tout à fait. Il apparaît évident que les persécuteurs, procureurs, inquisiteurs, sceptiques travaillant pour l'UR ont fait bloquer mon compte FB afin de ne pas trouver de réponses et d'oppositions au débat qui me concerne en premier lieu ce jour demain, 5 octobre 2021, avec messieurs Daoustes et Sédou, madame, membre de la team Gollum et fondateur du mouvement des mécontents du H. Ils préfèrent débattre avec des personnes acquises à leur cause. On n'a jamais parlé de débat. Avoir la peau de Jacques Grimaud et déversant leur haine dans un live où l'accusé n'a pas le droit de se défendre sous prétexte d'être bloqué. Mais qui est bloqué sur FB exactement? Sont d'ores et déjà formellement identifiés à Sédou et à Daoust, Thomas Cédurant, qui rentre de vacances en Italie, Caldera, île de Santorin. Santorin en Italie. En Italie, oui. Jacques Grimaud nous apprend des choses. Voilà, non mais il y a vraiment des choses révolutionnaires effectivement dans ce qu'il dit, hein, c'est sûr. Hein. C'est mathématique. Quantique même. Avec l'argent de ses 5 comptes de rémunération mensuelle qu'il dissimule sur Hello Asso. Donc là, soyons clairs, il y a diffamation. Si je voulais porter plainte, je pourrais, parce qu'il m'accuse de détourner l'argent. C'est curieux, hein. Quand on a vu le film sur sa vie, il m'accuse de détourner. Et donc moi, c'est ce qu'on appelle la projection. Hein. Jacques Grimaud accuse volontiers les gens de ses propres turpitudes. Voilà. Ouais. En plus d'une boutique de vente d'objets d'art, entre guillemets,
La boutique de la tronche en biais, la boutique Spreadshirt, où vous pouvez acquérir des t-shirts, des mugs, des casquettes et plein d'objets pour pas cher. Voilà. Des masques. Des masques, oui, pensez-y. Ah oui, Voyages EcoStar à 3 500 € pour ce chômeur de longue durée. Alors non. T'as trois plaques sur le cul, mais c'est pas mal. Hein. Bah, il se base sur son train de vie personnel. Oui, voilà, c'est ça, forcément. C'est ça. Enfin, voilà. Etc. Bon. C'est bon. Je peux lire la suite. Hein. Alors Alexis, en train de dire oui. Juste pour ajouter, c'est qu'il a fait effectivement une double conférence, enfin une conférence le 8 août, hein, dans lequel il était censé présenter RDP2. J'ai écouté, hein, j'ai regardé. Hein, quand on travaille sur un sujet, on écoute et on se renseigne. Bon, outre que la conférence qui dure très longtemps est extrêmement vide en termes de contenu, il a essayé effectivement de contre-attaquer par avance sur le contenu de la RDP2 en disant que c'était sorti, etc., que les gens allaient voir, et il cite en permanence le film sans jamais rien montrer. Donc c'est vraiment un élément assez intéressant, assez troublant aussi. D'accord. Donc revenons sur l'affaire. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur l'affaire en cours, parce qu'on ne peut pas tout révéler, la justice doit travailler, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens, qu'est-ce qu'on peut attendre des prochaines semaines, des prochains mois? Bah, c'est déjà l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris pour escroquerie aggravée, c'est pas anodin. C'est que si déjà ils ont décidé d'ouvrir une enquête, ils avaient suffisamment d'éléments pour l'inquiéter. Tout simplement, les dossiers ont été extrêmement bien faits, ça a été fait de façon très consciencieuse et complète. Et donc, ils ont été envoyés entre décembre 2020 et février 2021. L'instruction a été ouverte en le 1er juin, donc ouais, ça a été relativement... Mais en fait, d'un point de vue calendaire pour la justice, moi je trouve que c'est relativement rapide et c'est une bonne chose. Oui. Ça veut dire qu'ils avaient déjà quand même pas mal d'éléments. Ouais, exactement. Exactement. Donc maintenant, ce qu'on peut en attendre, il faut savoir que si c'est avéré, si un juge décide qu'il y a vraiment eu une escroquerie aggravée, c'est 7 ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende. Pas mal. Voilà. Donc, 7 ans d'emprisonnement, 750 000 euros d'amende. Ok, bah, on souhaite à Jacques de faire exploser les chiffres et les scores. Comme il est non solvable, hein, parce que c'est évidemment un des éléments qui est important, il s'est toujours défendu là-dessus, il risque vraiment sérieusement la prison, parce qu'il n'a pas de moyen de payer 750 000 euros d'amende. Et oui. Il faut ajouter également que les documents ont été envoyés au fisc et à la Miviludes. Et ça, bon, le fisc surtout, alors la Miviludes, je ne sais pas, mais le fisc, ça peut être pénible, et parce qu'ils ont tendance à suivre leur dossier longtemps, hein, et très longtemps, et le fisc n'aime pas tellement que des gens comme ça dissimulent autant d'argent. 400 000 euros, c'est un peu d'argent quand même sur 5 ans en termes d'impôts. J'ai déjà eu l'occasion de dire qu'il n'y a pas dans le cosmos de force plus puissante que le fisc. Hein. Quand le fisc est après vous, les guerres peuvent détruire les armées, détruire les maisons, les murs, les routes, mais le fisc sera toujours là pour vous choper. Alors, hein. Alors pardon, mais les poules dans Zelda. Les poules dans Zelda sont pires que le fisc. Mais bon, on est dans la fiction. Dans le monde réel, le fisc est ce qu'il y a de plus fort. Alors, on se dirige tranquillement vers la fin, mais bon, j'aimerais qu'on parle un truc. Est-ce que Grimaud est une exception? Parce que donc, on a quelqu'un qui s'est fait connaître par sa malhonnêteté intellectuelle, je pense qu'on est fondé à le dire, il dit des trucs qui sont faux, c'est débunké, il persiste. C'est pas le seul, il y a d'autres gens dans le paysage de la zététique où on va débunker des gens. Il se trouve que ce monsieur-là est poursuivi pour escroquerie, il se trouve que ce monsieur-là a des discours qui flirtent avec des idéologies dont on pourra parler si vous voulez. Est-ce qu'en soi c'est une exception ou est-ce que ça signe? Est-ce que c'est un portrait robot qu'on retrouve ailleurs? Moi, j'ai un peu ma réponse, mais je voudrais avoir votre sentiment par rapport à vos connaissances et à vos cadres de lecture. Alex? Moi, je prendrai sur toutes les questions de... Vas-y, commence sur le modèle. Là, comme ça, de but en blanc, les premiers exemples... Alors, une exception, non. Les premiers exemples qui me viennent comme ça à l'idée, c'est Thierry Casasnovas, clairement. Toujours en fait, dans cette emprise sur un public avec des discours toujours différents de la version officielle, mais en ayant
tout le temps la main sur sur le portefeuille. C'est des cas. Alors non, c'est pas une exception à bien des égards. Il y a alors, il y a Pierre Casasnovas. Il y en a d'autres aussi. Hein. Je retrouve aussi des signes dans Jean-Jacques Crèvecoeur. On a encore des similitudes dans certaines approches. On pourrait après, citer un autre Jean-Jacques Charbonnier, Monsieur Vie après la mort, qui fait des séances avec des enfants, qui a été poursuivi par le fisc aussi parce qu'il n'avait pas déclaré tous ses revenus. On n'est pas forcément. Il faut pas qu'on les compare. C'est pas forcément le même niveau de gravité pour chacun, mais de loin, le porteur robot ressent un peu. On a les mêmes attributs en fait. Et c'est des similarités, hein. C'est pour ça. Donc il y a l'aspect financier, donc il y a l'aspect contestation de la version officielle systématiquement, et puis l'emprise. Il y a toujours cet aspect d'emprise. Paul Conge aussi l'avait décrit pour Jacques Grimont. Mm. On est toujours dans une emprise, et c'est pour ça aussi que les gens ont peur. Et aussi toujours une tendance à se diriger vers des discours d'extrême droite. Voilà, et ça, on va nous reprocher d'en parler, mais je ne vois pas comment ne pas en parler. C'est compliqué. Non, mais parce que moi, je n'ai pas vocation à... par rapport au cadre où on travaille, on n'est pas des militants anti-fachos en tant que tels. Il se trouve que... ça recoupe facilement. Je suis pas entièrement d'accord, mais... Non, mais... Je suis en train de dire c'est bien, c'est mal. Je veux juste dire qu'il y a des similarités. Oui, mais enfin, moi, j'assume de dire que c'est mal. C'est pas le problème. Mais tu vois, de base, La Tronche en Biais, c'est pas une chaîne anti-facho. Mais il se trouve que nous, on s'attaque au discours pseudo-scientifique, trompeur, manipulateur, et que bien souvent, j'ai pas le chiffre. La narration fachote est complètement contre-scientifique. Voilà. Hein. Et il y a certainement des dérives dans d'autres familles politiques. Évidemment, mais sur les sujets qui nous intéressent, qui ont trait à l'histoire en particulier, Alexis pourra en parler, il y a quand même souvent cette coloration-là, et je pense qu'on est obligé d'en parler, parce que ne pas en parler, ce ne serait pas honnête. En fait. Donc voilà, je voulais avoir votre sentiment et votre analyse là-dessus. Je reprends ce que disait Antoine. Antoine a parfaitement mis en lien Jacques Grimont avec d'autres gourous escrocs et manipulateurs. Hein. Ça, c'était, je dirais, une ligne horizontale qu'il faut tracer. Hein. Il est dans le même genre. Alors, il a peut-être un peu moins d'audience que, par exemple, un Casasnovas, mais il a une audience qui est importante. Mais en plus, Jacques Grimont est parfaitement dans une ligne verticale également. Hein. Il s'installe dans l'exemple classique des pyramidiaux. Il n'a rien inventé, Jacques Grimont. Il a tout pompé, comme on l'a vu dans le film et comme on le voit dans d'autres éléments. Il a tout pompé sur des sociétés, sur des groupes de recherche ésotérique, pour utiliser un terme très générique. Hein. La philosophie, etc. Hein. Voilà. Et en fait, tout ceci, c'est une ligne, qui vient effectivement de la théosophie, qui est le premier à avoir... mis ça en place à toute fin, dans le dernier tiers du 19e siècle, à savoir une position anti-scientiste. Alors, attention, hein, parce qu'eux, ils confondent science et scientisme. Donc, le scientisme, c'est bien un courant de pensée qui pense que la science va tout répondre et tout résoudre. Hein, donc, ils sont anti-scientistes, anti-modernistes et anti-évolutionnistes. Hein. Oui. C'est ce courant-là qui s'est mis en place avec les théosophies, qui a été repris par d'autres groupes, l'anthroposophie, etc., etc., Jacques Grimont en est la droite file. Alors, sauf que lui, il n'a rien inventé, il a juste pompé là-dessus, il l'a remis en place. Et là où il est à la fois un peu unique et totalement dans le moule, c'est qu'il est arrivé à un moment avec LRDP1 où Internet a explosé ce discours sur une sphère beaucoup plus grande. Alors que c'était un discours qui était relativement confidentiel. Enfin, je pense que peu de gens ont lu les thèses de Blavatsky sur la théosophie ou les livres de Guénon sur l'antimodernisme. Il y a quand même des collections de bouquins ésotériques. Il y a pléthore de livres. Vous allez dans n'importe quelle librairie, vous avez toujours des rayons achalandés qui sont d'ailleurs plus riches souvent que les rayons scientifiques. Hein. C'est vrai qu'il y a des grands rayons ésotériques, mais là, on est dans un ésotérisme qui est spécifique. C'est on n'est pas juste dans le New Age ou l'alchimie. On est vraiment dans une position doctrinale. Oui. Voilà, une position, oui, tout à fait, une réécriture, une position doctrinale qui est précise, qui est de dire, en gros, je vais résumer de manière simple, que de dire que le monde a perdu, l'homme a perdu, pardon, la spiritualité à cause du monde moderne et qu'il faut retrouver la spiritualité de l'homme. C'est en gros le grand discours. Oui. Et qui cherche une explication globale à cette, aux transformations du monde. Donc,
Jacques Grimaud s'inscrit cette ligne-là. La chance qu'il a eue, c'est qu'il a bénéficié du coup de pouce d'Internet qui lui a permis d'ouvrir. Donc il est à la fois unique du fait de l'ère des P1 qui est sortie sur le net, et complètement dans une mouvance qui a 150 ans de. Et là, c'est unique, là, parce que bon, moi j'ai discuté un peu avec Patrice Pouillard, et je trouve que c'est un garçon qui ne comprend pas grand-chose, mais il faut rendre hommage à son talent de vidéaste. Il a fait un beau film, et c'est un bel objet filmique en tant que tel, et Grimaud doit beaucoup à Pouillard, en fait. Enfin, tout non, parce qu'il doit aussi beaucoup, malheureusement, à ceux qui l'ont volé, oui. Bacheran, à Atlantia, voilà, ceux qui l'ont volé, à ceux qui sont là. Mais effectivement, sans le travail de Patrice Pouillard, et je pense que là, Patrice Pouillard joue un rôle très négatif pour la diffusion de ce type d'informations, en ce sens qu'il n'a pas fait attention à ce qu'il diffusait, ou alors il est aussi pris dans la gouroutisation de Jacques Grimaud. Mais sans le travail, effectivement, de Patrice Pouillard de mise en image, ce discours-là serait vain. Parce que entre lire les livres dont s'est servi, ou en tout cas les hypothèses dont s'est servi Jacques Grimaud, par exemple chez Jean Faure ou chez Georges Barbarin, c'est pas facile à lire. Enfin, je veux dire, on comprend pas tout. Alors que la mise en image, et c'est là où effectivement il y a une espèce de chose unique, a beaucoup, beaucoup, beaucoup servi à la notoriété de Jacques Grimaud et de ses thèses. Alors, maintenant, il y a le dialogue et maintenant. Donc là, il est 22h. On va faire un peu de rade avec la permission de mon équipe. Qui m'a autorisé, vu que voilà, on va aller jusqu'à. On a encore un quart d'heure. On en est où, Jacques Grimaud, aujourd'hui? Il n'y aura pas de LRDP2. Qu'est-ce qu'il continue à faire? On met de côté les procès, ça c'est en cours. Qu'est-ce qu'il fait à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'il fait plus? Et à côté, Pouillard, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il fait plus? On en est où en 2021? Qui veut répondre? J'ai relâché l'affaire. Enfin, depuis l'article l'année dernière, j'ai gardé contact avec les mécontents. Et d'ailleurs, qui me font passer un message à l'instant même. Oui. Qui me précise que le film n'est pas seulement que des mécontents. C'est aussi un peu plus large. Il y a beaucoup plus de gens qui ont participé au film. Donc voilà, ils tenaient à ce que ce soit dit. Maintenant, donc il y a eu l'article, j'ai continué à être en relation avec eux, qui me tenaient au courant un peu des avancées, comme l'envoi des dossiers aux différents services de l'État. Ensuite, ils m'ont recontacté pour me dire qu'il commençait à y avoir des auditions, donc c'est là que j'ai pris contact avec le parquet de Paris pour qu'ils me confirment l'information, chose qu'ils m'ont confirmé, et après, moi, de mon côté, j'ai eu d'autres choses à fouetter. Mais voilà, mais en gros, à ma connaissance, il continue de faire des conférences. D'ailleurs, Alexis en a vu quelques-unes. Il continue à vendre ses livrets. Je ne sais pas s'il continue à organiser des voyages en Égypte comme il faisait il y a quelques temps. Et il continue de promettre qu'il y aura un film. C'est ça ? Il continue absolument de promettre tout ça, mais on a quand même le sentiment qu'il est un peu au bout du rouleau, parce que comme on l'a dit précédemment, comme il n'a rien inventé, il n'a rien découvert, il n'a plus rien à dire en réalité. Et effectivement, quand on écoute ses conférences, c'est le même discours qui tourne en boucle, avec des arguties qui sont du style « bon, ça je ne vous l'explique pas maintenant, parce que vous ne connaissez pas suffisamment, c'est trop difficile pour vous, etc. » Mais je me souviens, lui, en tant que tel, lorsqu'on a fait le live avec lui, on a proposé notre propre équateur penché à nous, qu'on a bricolé en maison en 2 semaines. Et je lui ai dit, mais nous, vous savez, on fait mieux que vous. Nous, on a 2 volcans sous-marins. Il m'a dit, mais moi aussi. Et j'ai compris là qu'en fait, le mec, il était. Il faisait son marché, en fait. Quand on discute avec des gens, quelqu'un dit quelque chose, il dit, oui, mais ça sert dans mon prochain film. Il met dans sa poche. Et une fois qu'il aura un amoncellement de trucs, il pourra en faire un chapitre, quoi. Et j'ai bien senti que c'était ça son truc. Et depuis quelques années, j'ai bien vu des gens un peu déçus qui m'en ont parlé, qui ont dit, moi, j'allais vers lui avec des idées. Et à chaque fois que je venais avec une idée nouvelle, il me disait, oui, bien sûr, mais c'est déjà prévu dans mon film. Mais il prenait l'idée, quoi. Il prenait la feuille. Il la prenait. Mais donc, c'est complètement ça. Ouais. Dans ses dernières conférences. Il reprend des idées que j'ai entendues ailleurs et qui sont a priori pas de lui parce que je les ai pas vues dans son grand-père de la tradition. Voilà, A une connexion ou pas avec l'anthroposophie? Le mot a été prononcé, est-ce qu'on a des éléments pour en parler ou pas?
qui montre qu'il a une connexion avec l'anthroposophie. Les théories qu'il développe sont très proches de la théosophie et de l'anthroposophie, hein, mais j'ai aucun élément qui permette de le dire qu'il ait une connexion directement avec ça, avec l'anthroposophie. D'accord. Alors Pouillard, lui, il fait des films. Ça vaut quoi ? Ça en est où ? Vous savez, alors, ça en est où en fait, il a tenu à faire la suite, puisqu'il avait de l'argent pour le faire, donc il a fait ce fameux BAM, hein, Bâtisseur dans l'Ancien Monde, qui est... alors, c'est très difficile à définir, parce qu'en fait, il reprend des idées qui étaient celles de Grimaud, et il essaie d'en avoir de nouvelles. Le problème de Patrice Pouillard, c'est que, à mon sens, il n'a... comme il ne s'est pas cherché, enfin, il tourne un peu en rond, et il a besoin de nouveaux objets, c'est-à-dire qu'il ne peut pas reprendre indéfiniment les pyramides, hein, ça y est, il l'a traité, hein. Il ne peut pas non plus reprendre indéfiniment les sites andins, voilà, ou l'île de Pâques. Hein. Donc il a cherché 12 objets, il en a trouvé un, qui sont les grottes de Barabar, alors ce sont des grottes qui sont en Inde, qui ont été creusées au 3e siècle, dans lequel il est revenu, la même chose, il a fait des conférences que j'ai entendues, enfin que j'ai écoutées, qui sont très longues, hein, voilà, et dans lequel il mélange tout, et il reprend tout le discours théosophique qui est dedans, hein, c'est assez remarquable dedans, mais dans lequel il n'invente rien. C'est-à-dire qu'il explique que ces grottes sont extraordinaires, qu'elles n'ont pas pu être faites par des Indiens parce que c'est trop compliqué, mais elles sont quand même faites par l'homme. C'est trop parfait pour être fait par des hommes, c'est comme les crabes sacrés. Voilà, absolument, avec des génial du style. On a fait la symétrie, c'est-à-dire qu'on a retourné l'objet qu'ils ont pris en 3D avec un scan 3D, et les points correspondent à 65%. Alors 65% très précis, bon, pour ceux qui ont fait un tout petit peu d'architecture, hein, 65% sur une symétrie, c'est pas précis du tout. On est très 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 loin des normes de précision. Enfin, bon, voilà. Voilà. Et c'est ce type de discours. Donc lui aussi, il est un peu, on a l'impression, avec dans une impasse. Et moi, le sentiment que j'ai avec Patrice Pouillard, c'est qu'il a besoin d'un gourou pour recommencer un film équivalent. Après, il n'y a pas que eux, hein, y a aussi d'autres personnes qui gravitent autour c'est de ma ça. Ma prochaine question, Vlad, tu voulais dire quelque chose ? Juste que, en plus des crop circles, il y a quand même une narration bien borderline raciste, quoi, dans le fait de dire ouais, mais non. C'est pas ces bronzés qui auraient pu faire ça, quoi. Mais justement, on va y revenir. C'est que parmi les autres... parce qu'en fait, là, en gros, on a un objet filmique RDP qui date d'il y a 10 ans, qui a été une date importante. On nous a promis des suites qui ne viennent pas. Et c'est un objet qui, en fait, n'a rien inventé, puisque c'est la... Et moi-même, dans mon bouquin, j'en parle, hein, de toute la tradition qu'il y a avant. Grimaud n'a fait que faire une somme de ce qui existait. Et donc, toutes ces idées-là, elles étaient là avant Grimaud, elles seront là encore après. Donc, il y aura des successeurs, il y aura des héritiers. Et il y en a quelques-uns qu'on connaît déjà un peu dans le paysage, et ils sont héritiers aussi des idéologies, en fait. Et c'est ça, c'est que ça ne va pas tomber dans la poche de n'importe qui. Et donc, qui on a dans le paysage pour reprendre le flambeau de Grimaud ? D'un groupe qui adhère à LRDP 1, qui considère que les thèses sont fonctionnelles et qui va chercher autour de ça, avec des techniques issues de métrologie, entre guillemets, je mets des grands, grands guillemets. Alors on a aussi de l'archéogéométrie, enfin des choses qui sont des concepts totalement inventés. Ces groupes, effectivement, reprennent parfaitement le même discours idéologique, alors qui est parfois direct, parfois masqué, hein, c'est variable, qui est en gros de dire c'est forcément des civilisations plus anciennes et plus avancées qui ont fait ces constructions, et donc qui dénient alors, aux Indiens, aux Égyptiens, aux Incas, les constructions. Donc évidemment, on est parfaitement dans un racisme soit direct, soit larvé, alors parfois très direct, hein, on connaît, on avait parlé Oleg de Normandie, hein, qui lui est carrément dans une position raciste, identitaire, hein, très clairement, et qui est un adepte de Grimaud. Il a interrogé Grimaud sur sa chaîne. Oui. Chez d'autres, bonjour, c'est... Oleg. Alors lui, le discours d'Oleg, qui en plus touche des plates d'histoire que je connais bien, c'est absolument vide. On est dans de l'idéologie racialiste, peut-être même raciste, on est quand même dans... c'est assez lourd. Chez Oleg, on est complètement dans l'idéologie, au moins au minimum racialiste, très fort, très 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 marqué, hein, avec une préférence, une prééminence pour les Vikings hyperboréens. Alors voilà, au fait, vous voyez ce que ça. En gros, tout a été inventé par des hommes blancs dans l'histoire. Ouais. Chez d'autres, c'est moins clair, c'est beaucoup moins clair, mais. Comme ils ne font pas vraiment attention à cet aspect-là, ça véhicule la même idéologie. Mais
Est-ce que c'est aussi clair que ça? C'est difficile. En revanche, ce qui est très clair, et pardon Antoine, je suis un peu long, ce qui est très très clair en revanche par rapport à ça, c'est que tout se bascule très vite dans le complotisme. C'est-à-dire que par exemple, la crise du Covid a montré que des gens qui sont autour des thèses de l'RDP1 sont aussi des gens qui vont expliquer que le Covid, c'est pas bien, que le vaccin ne fonctionne pas, etc. Donc, le Covid, c'est pas bien, on est d'accord, hein. Oui, d'accord. Donc, le vaccin, pardon. Comme, Covid est une invention. Voilà. Mais que le Covid. Bon, alors, il peut y avoir ça, mais surtout que le vaccin, que c'est pas bien, que le pass sanitaire, c'est une dictature, etc. Et ça, on voit très clairement la connexion. Ouais. Je pense à Monde Mystérieux, par exemple, ou à Quentin Leplat, qui partage très clairement des positions anti-vax. D'accord. Antoine, sur le passage de flambeau, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu pressens? Je rejoins un peu Alexis. Déjà, c'est pas les théories du complot qui manquent. Donc, je pense que les théories sur les pyramides ont été quand même essorées à fond. Et je pense que le sujet va tomber un peu dans l'oubli avec Jacques Grimaud, mais on n'est pas à l'abri de voir ressurgir d'autres théories, de les voir surfer sur d'autres théories. Après, je sais pas. Hein, moi, c'est mon sentiment. Les théories, c'est pas ce qui manque. Oui. Je serais tenté de dire que les pyramides tomberont avec Grimaud. Bon, je peux me tromper, mais en tout cas, moi je pense que non. Moi je pense que non, parce que d'abord les pyramides, c'est les seuls objets faciles et connus que les pseudo-chercheurs peuvent facilement avoir en main. Quasiment tout est sur le net. Et puis mathématiquement, c'est facile d'avoir des coïncidences. Voilà. Le truc qui est grand et connu, c'est-à-dire que un des problèmes de Pouillard de Patrick Pouillard sur Barabar, c'est que Barabar, c'est pas connu, il faut le faire connaître. Je veux dire, moi j'avais travaillé sur les grottes de Barabar, il m'a fallu 6 bons mois de travail de recherche pour vraiment comprendre à peu près que ça fonctionne. Donc c'est vraiment un truc. Les pyramides, ça fait clic tout de suite. Les gens les connaissent, c'est merveilleux, c'est positionné, et puis comme il y a déjà eu plein de théories. On a perdu Alexis. Et oui, donc les pyramides, c'est un objet très très connu, c'est un peu comme le monstre du Loch Ness. C'est facile aussi à dire. Moi, je pense que c'est inter-pyramide. Ouais, c'est indémodable. En vrai, bon, ça sera souvent réutilisé dans des moyens, enfin, pour des théories qu'on ne peut pas encore anticiper, parce que c'est toute la beauté de l'affaire, c'est que c'est aussi de la fiction. Donc la fiction, on ne peut pas anticiper vraiment ce qui va se passer, mais de toute évidence, il y a de l'idéologie et il y a un contexte qui est que. Si ça a autant de succès, c'est parce qu'il y a une attente, quelque part. Il y a un besoin, ces gens qui viennent avec leur théorie répondent à quelque chose, et on finira là-dessus, sauf si Vlad veut me faire remonter des questions intéressantes. Selon vous, comment est-ce qu'on peut... Admettons que nous, on est des sceptiques, on aimerait que les gens s'intéressent plus à la vraie science, aux vraies données, plutôt qu'à des récits farfelus, mais de toute évidence, ces récits-là rentrent en résonance avec des attentes diverses et variées des gens qui sont après tout légitimes puisqu'elles sont là. Comment est-ce qu'on peut être plus utile nous, parce que si on se contente de pilonner une théorie que les gens vont aimer, admettons même qu'on la détruise complètement, il restera un trou, un cratère, et dans le cratère il aura la forme exacte du bullshit et on pourra mettre du bullshit dedans. Donc il suffit que le prochain charlatan arrive et dépose son produit et les gens vont adhérer. Donc c'est pas une solution, juste dans le débunkage. C'est utile, hein. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Je crois qu'il y a trois choses. D'abord, il faut continuer à débunker, parce qu'il faut continuer à mettre en avant le fait que ces théories ne fonctionnent pas. Il faut le faire intelligemment, c'est-à-dire qu'il faut le faire en essayant, sans agressivité, en apportant des preuves et des démonstrations. Ensuite, il faut, de la part des chercheurs, hein, participer au travail également de terrain, d'informer sur le terrain et de vulgariser. Et puis, il faut mettre en avant également les bons travaux. Hein. Moi, je pense à un travail qui va sortir d'un peu de temps, qui s'appelle Le Grand Virage, hein, qui va être justement une reprise entièrement de LRDP1, qui reprend toutes les hypothèses et qui va les fermer. Hein, voilà, je crois qu'il y a trois axes là qui sont importants, et je pense qu'une partie des chercheurs, hein, ceux qui participent à l'ALDA par exemple, le font, doivent participer à ce débat. Et moi je crois fortement que les intellectuels, pour reprendre ce terme qui veut dire en fait un savant engagé, intellectuel c'est un terme qui est né au moment de l'affaire Dreyfus, hein, et qui veut dire un savant qui s'engage dans un combat,
doivent participer à ce type de débat de la manière la plus saine possible, en étant à la fois sur le terrain, c'est-à-dire les réseaux sociaux pour débattre avec des personnes, pour ou contre et les mettre en avant, également pour fournir et créer du contenu qui le permette en tant que chercheur, donc plutôt du contenu qui est parfois un peu plus dense, hein, et puis également pour promouvoir des nouveaux outils ou des nouveaux formats qui permettent de montrer que ces théories sont fausses, voire y participer. Et on essaie de faire tout ça. Bah, merci d'être là. Et merci aux autres chercheurs qui viennent nous aider sur la chaîne. Merci beaucoup, je vois du coin de l'œil, aux gens qui donnent de l'argent dans le chat en direct. C'est très gentil, ça nous aide beaucoup. Et vous pouvez nous aider, nous soutenir, pas sur... Merci sur HelloAsso, comme Jacques Grimaud. Ça ne paiera pas mes vacances, enfin si, puisque mes vacances c'est mon argent, et l'argent c'est mon salaire c'est vous. Voilà, bon. Alors, quoi ? Vous êtes une partie de son salaire. Enfin, son salaire est une partie de ce que vous donnez. Oui, je prends pas tout. Il y a cette vieille rumeur colportée par un journal qu'on ne nommera pas. Oui. Qui prétend que tout l'argent qui est remporté tout l'argent que l'Aztec reçoit est reversé à Thomas. C'est complètement faux. On paye d'autres personnes. Et par ailleurs, on a de l'argent de côté parce que l'activité de l'association. Et par ailleurs, je fais des formations et des conférences payées et l'argent rentre dans l'asso. Bon. Voilà. Bon, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bah, du coup, nous, on va essayer de continuer à faire ce qu'on fait. Il y a Fact and Furious qui va continuer à travailler sur ces sujets-là. Il y a une enquête en cours, hein. C'est quoi le prochain scoop ? Je peux pas le dire, mais on... Alors, ça n'a rien à voir avec le Covid. Ça n'a rien à voir avec le Covid. Ça, déjà, c'est quelque chose d'énorme en ce moment. Bon. Non, mais c'est vrai, moi j'en ai eu un peu ma claque là, de tous ces anti-vax, etc., de toutes les théories qu'on se piche. Je commence à ouvrir certaines enquêtes. Ça aura un lien avec ce qu'on avait sorti au mois de juin sur l'affaire FaZe. Voilà. Sur l'affaire ? Sur l'affaire FaZe, une boîte de publicité pilotée depuis la Russie pour démarcher des acteurs français pour dénigrer le vaccin Pfizer. D'accord, oui. Notamment, Dirty Biology avait fait une vidéo là-dessus. Alexis. Ah, dans la même veine. D'accord. Alexis, un mot de la fin ? Merci, comme mot de la fin. Et puis pour reprendre ce que dit Antoine, hein, moi de mon côté, je vais bon, outre mes recherches de doctorant, parce que quand Jacques Grimaud dit des faux mandats, enfin des faux diplômes, c'est en tout cas moi qui le vise comme n'étant pas doctorant. Mais donc ça une chose, et puis continuer également à aider et à produire des contenus pour justement s'attaquer à ce type de position mise en avant par RDP1 ou autre. Hein. Il n'y a pas que ça. Je pense également à tout ce qui est archéogéométrie, double carré et autres éléments de ce genre. Ouais. Alexis, Antoine, un mot de la fin ? Bah, merci déjà à vous de m'avoir invité. C'est vrai que c'est important le travail que vous faites. La pédagogie aussi, je crois que c'est important. C'est un mot qui revient de plus en plus, notamment dans le fact-checking, etc. C'est toujours bien d'expliquer la méthodologie. Et parce que on peut pas passer notre temps à toujours démonter les théories et puis voilà, on laisse ça comme ça, on passe à autre chose. Non, je pense que de plus en plus, former les gens à l'esprit critique, avoir développé voilà la pédagogie, et je pense que ça devient indispensable. Et c'est là que peut-être les gens commenceront aussi à comprendre et à développer même leur esprit critique. Donc c'est dans tout se rejoint. Donc merci et voilà, j'ai passé un très bon moment. Et ben, je te remercie. Et juste pour élaborer sur la réponse de Vled sur pourquoi on parle de Grimaud, je reçois tous les jours des mails de gens qui me disent « Regardez, un tel a dit ça, vous pouvez le débunker, mais on n'a pas le temps. » Brandolini, etc. Vous savez bien qu'il faut plus de temps pour débunker que pour dire une bêtise. Et là, Grimaud... On a fait le travail du débunkage, on apprend. Et donc là, c'est beaucoup moins d'énergie nécessaire. Voilà, on a moins d'efforts à fournir pour revenir sur le sujet et pour le traiter jusqu'au bout et pour donner aux gens un peu des clés sur comment on analyse ça, plutôt qu'aller tous les jours vers un autre sujet, lire tout ce qui était produit, voir les vidéos, c'est sans fin. Et on ne peut pas courir après le bullshit, il va trop vite. Donc on prend quelques exemples comme ça, mais aussi à Berkane. On pourrait citer à Berkane qui lui aussi dit des bêtises.
est pro-Raoult, anti-vaccin, et aussi est poursuivi pour gestion déloyale d'une entreprise. Et il dit que ses associés qui sont en cours, un problème avec l'argent. C'est plus simple pour nous de prendre quelques exemples comme ça, au Casas Novas, et d'essayer d'en faire des exemples pédagogiques en montrant pourquoi on a un doute, comment on enquête et qu'est-ce qu'on peut en faire, que d'aller courir derrière tous les bullshit parce que c'est sans fin. En revanche, vous, si vous avez les moyens de débunker quelqu'un, de faire une analyse propre et succincte, faites-la, envoyez-nous, on partage. Ça, on peut le faire aussi. Puis là, oui, c'est un petit peu comme cet adage qui dit « Donne un poisson à un homme, il mangera une fois, apprends-lui à pêcher, il mangera toute sa vie. » Notre but, avec des grimauds, avec des aberkans, avec etc., ces personnes sur lesquelles on nous accuse d'un peu trop nous focaliser, on veut créer des cas d'école pédagogiques, justement, qui permettent de vous donner des outils. Parce qu'on a, on n'a pas les épaules, on n'a pas le retourneur de temps, on n'a pas les moyens, les équipes, on ne peut pas tout faire. On n'a pas de moyens d'enquête, on peut analyser et puis, tout. Et puis surtout, notre but avec tout ça, c'est d'améliorer le monde à long terme. Donc c'est de donner les moyens, c'est absolument terrible le retour avec quelques secondes. J'ai l'impression d'être sous et de parler au ralenti. Retirer une oreille. C'est l'enfer, ouais. Notre but, c'est de donner les moyens, de donner les outils pour que vous, pour qu'absolument tout le monde, pour que vos enfants puissent avancer et devenir de meilleurs citoyens qui sont plus en mesure de repérer le bullshit et qui sont plus en mesure de voir tous les red flags qu'il y a sur le chemin. Voilà. Et moi, je serai heureux le jour où on n'aura plus de travail. Alors non, parce que il y aura toujours des choses à faire. Il y aura toujours. Non, mais voilà, je sais que de mon vivant, je ne verrai pas ça. C'est comme une société parfaitement égalitaire. Je ne verrai pas ça de mon vivant, mais c'est pas une raison pour pas essayer. On est à l'abri du chômage, enfin. Pas forcément, en tout cas, on est à l'abri de l'ennui. Et ces progrès se feront grâce notamment aux gentils modérateurs. J'ai vu Patrice, oui, il y a Nashi, je sais j'ignore si Luca était là, mais il est souvent là. Il y a Elodie, évidemment. Et là, ce bouquin ne pouvait Francine, pas être là. Francine, oui. Moxiva, je crois. Moxiva était présent. Je ne sais plus qui. Bon, merci à Delo. Je rappelle que c'est Corentin qui était à la Réal. Mettez des petits cœurs pour tous ces gens-là qui nous aident à préparer et à avoir des lives qui se tiennent et qui sont jolis et propres. Mm-hmm. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Prochaine émission, on n'a pas programmé encore exactement ce qu'on fera. Courant octobre, c'est compliqué. Sachez qu'il y aura un bénéfice du doute sur le développement personnel. Voilà. Et un tranchant live, j'aimerais beaucoup qu'on fasse quelque chose sur l'eau dans l'univers, l'eau dans le système solaire. Voilà. D'où vient l'eau? Comment on sait? Quelle est son histoire? Donc on s'éloigne un petit peu des thématiques, mais on revient un peu à la vraie science et à comment on sait ce qu'on sait. Et puis, il y aura également, ça sera en décembre, un truc sur la biodynamie. Et voilà. Bon, le programme se construit. Et puis, comme je suis allé en vacances à Santorin, j'ai fait un petit sujet sur l'Atlantide. Et j'espère finir le montage demain, mais je crois que je n'aurai pas le temps. Donc, ce sera la semaine prochaine, certainement. Vous aurez ça. Ma foi, on sait tous que demain, tu vas passer ta journée sur les nouveaux commentaires du live. Non. Et que par conséquent, tu auras beaucoup de difficultés à monter. Bref, peu importe. une pastille de Vled. Oui, tout à fait. Qu'on va tourner très très bientôt. Voilà. Qui a été un petit peu teasé lors de la newsette. Tout à fait. Nous en dirons merci plus. Beaucoup d'avoir été là. Vous étiez plus de 2500 avec une pointe à 2900, je crois. Oui. Ça fait plaisir. Il y avait Koh-Lanta en face, ça? Non. Donc, merci d'avoir été là et désolé pour ceux qui ont raté Koh-Lanta. On vous donne rendez-vous bientôt. Restez sceptiques, faites attention à tout ce que vous écrivez dans votre tête. Faites de bonnes lectures et reposez-vous bien.